Cheers. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent et présente ce soir et merci de nous écouter en visioconférence. Donc j'aimerais ouvrir la séance du Conseil du 2 mai 2023 et donc je vais commencer. On a un programme assez chargé aujourd'hui, donc je vais tout de suite demander aux conseillères de se présenter. Madame Braun. Bonsoir à tous et toutes. Mon nom est Caroline Braun. Je suis la conseillère dans le district Jeanne Sauvé. Bonsoir, Marie Potvin, conseillère du district Robert Bourassa. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Valérie Patrault. Je suis conseillère dans le district Joseph Beaubien. Bonjour à tous et à toutes. Mélie Paula, conseillère d'arrondissement dans le district de Claude Ryan. Merci. Donc, nous avons ici aussi du côté des services Jean-François Meloche, qui est le directeur de l'arrondissement par intérim. Donc, je vais demander de se présenter, de présenter l'équipe aussi. Oui, bonjour, M. le maire. Donc, merci. Donc, Jean-François Meloche, comme l'a dit M. le maire, je suis accompagné de Maître Julie Desjardins, secrétaire d'arrondissement. On a également Garda Félicitain avec nous, secrétaire recherchiste. De l'autre côté, j'ai la chance d'avoir avec moi mes deux directrices, donc Mme Vibert, directrice du bureau de projet, ainsi que Anne-Marie Poitras, directrice d'arrondissement adjointe à la qualité de vie.
Merci. Merci. Donc, on va commencer avec les mots de maire et des élus. Donc, je vais commencer. Et évidemment, il faut commencer par parler de la crise du verglas que nous avons vécue tous et toutes ici à l'arrondissement. Donc, ça nous a durement frappé d'abord par le manque d'électricité. Il y en a qui étaient chanceux avec une ou deux journées, mais d'autres moins chanceux avec 6-7 jours. J'étais particulièrement inquiet pour le manoir d'Outremont où j'allais tous les jours parler avec la direction et les résidents. Puis après la panne d'électricité, ben, on a vu l'hécatombe des branches dans l'arrondissement, dans les rues, dans les parcs. Donc, Outremont possède la canopée, enfin la seconde plus grande canopée des arrondissements à Montréal, mais je dirais la première plus grande canopée en termes d'arbres centenaires. Donc, il faut aussi composer avec un budget ici à l'arrondissement d'Outremont qui est limité. Mais je peux dire que dès le premier jour, le 5 ou 6 avril, la direction menée par Jean-François Meloche a créé un comité de crise et a mobilisé toutes les ressources ici à l'arrondissement pour sécuriser les arbres dangereux, dégager les accès des rues, des trottoirs et donc des grosses branches qui étaient à terre. Nos cols bleus ont travaillé d'arrache-pied en temps supplémentaire. Et aussi, nous avons dû faire appel à des renforts à l'externe, de compagnies externes, et même à d'autres arrondissements. Je ne vais pas les oublier, mais Ville-Marie, Sud-Ouest et Villeray-Saint-Michel. Donc, ce week-end, ils sont arrivés à la fin, là, donc le week-end dernier. Ils ont passé, je pense, 3 jours ici, mais il y avait presque 50 personnes qui travaillaient dans l'arrondissement avec les équipements pour dégager et terminer le travail. En tout, nous avons déchiqueté sur place, parce que nous ne pouvons pas transporter les branches. On n'a pas de place ici dans l'arrondissement, donc il faut déchiqueter sur place. Et on aura déchiqueté à la fin de tout ce processus pour près de 300 tonnes de branches. Donc, on a déchiqueté en copeaux et on les a envoyées au centre environnemental de Saint-Michel. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail, déchiquetage, les envoyer là-bas. Beaucoup de 300 tonnes. Et on estime, par contre, dans les prochains jours, là, on devrait avoir terminé pour 95% sur tout le territoire. Et ce qui a compliqué au plus la tâche, c'est que les citoyens et des entrepreneurs ont remis des branches sur le trottoir qui étaient sur leur terrain privé. Donc, c'est sûr qu'il a fallu passer une ou deux fois supplémentaires sur les rues et sur les trottoirs. Donc, merci beaucoup aux employés, merci beaucoup à l'équipe pour tout le travail intense. Ça a été intense, mais je voudrais vraiment remercier du fond du cœur tous les employés, tous les cols bleus. Je pense qu'on est unanime ici au conseil pour les remercier. Et aussi, j'aimerais remercier les citoyens et citoyennes pour leur patience quand il y a eu les pannes d'électricité et aussi les branches qui étaient sur le chemin. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour le verglas. Je vais passer aussi maintenant, c'est relié un peu au verglas, c'est sur le budget d'entretien de nos arbres. Donc, notre canopée ici est un poumon vert pour Outremont et pour la ville de Montréal en entier. Nous sommes le prolongement du parc du Mont-Royal. Et donc, notre canopée nécessite un entretien régulier qui coûte très cher. On dépense environ 620 000 $ par année pour l'entretien de la canopée, 500 000 $ pour l'entretien régulier, et on a ajouté un budget cette année pour la première fois pour un élagage cyclique préventif des arbres de 127 000. Donc, c'est 627 000 $ de nos taxes ici à Outremont qui sert à entretenir les arbres. Et je vais faire un appel à l'aide de la part de la Ville-Centre. C'est un fardeau qui est extrêmement lourd pour nous ici à Outremont. On sait que l'entretien des arbres, c'est une priorité. Les arbres jouent un rôle important pour contrer les îlots de chaleur et pour réduire pour capter le carbone. Donc, nous allons déposer. Je pourrais dire, et voter sur une motion d'urgence ici au Conseil demandant à la Ville-Centre d'ajouter un budget annuel afin de financer l'entretien de nos arbres de façon récurrente.
bonne nouvelle, nous lançons un grand projet qui va transformer Outremont. Le projet, c'est on veut repenser Outremont, l'aménagement des rues, les pistes cyclables, la sécurisation des vulnérables, des piétons, des aînés, des enfants, les cyclistes. Nous voulons réduire la circulation de transit. Donc, ça va nécessiter des nouveaux aménagements ici de rue à Outremont. Et on est très déterminés pour aller de l'avant. Et au bout de ce projet, on veut qu'Outremont soit complètement transformé. Pour ça, comment on le fait? On démarre ce soir avec l'octroi d'un contrat à la firme Stantec qui va commencer par faire un comptage de voitures, de vélos, de piétons à travers Outremont, ici en mai et en juin. Donc, elle va collecter des données, avec des données aussi que nous allons leur transmettre qu'on a à l'arrondissement et aussi le travail qu'on a fait avec Vélo Québec pour les pistes cyclables. Alors, on va tout mettre ça ensemble et pendant l'été, ils vont faire une analyse de ces données-là. Et cet automne, en octobre ou plus tard, ils vont nous recommander un plan d'aménagement pour répondre à ces besoins, de se réapproprier notre milieu de vie, d'apaiser la circulation, de le rendre plus sécuritaire pour la marche, pour les piétons, autour des écoles. C'est un grand projet. Nous allons commencer après ça, lorsque nous aurons les recommandations, nous allons commencer à agir, donc à voter des budgets, des changements de règlement d'aménagement des rues. Et ça va se faire, ça va prendre des années pour tout mettre ça en place parce que ça nécessite des investissements considérables en PDI, si on veut, là, donc en infrastructure. Mais nous sommes déterminés à changer Outremont et je pense que tout le monde, on va pouvoir en bénéficier, et nos enfants aussi pourront bénéficier de ces nouveaux aménagements. Donc, c'est une grande étape, je suis très fier et on va repenser la façon qu'on vit ici à Outremont. Ensuite, je vais donner des nouvelles sur le chalet du parc Saint-Viateur. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ce soir, on passe la proposition architecturale qui a passé le CCU. Donc, ça va nous permettre de lancer un appel d'offres pour des devis, puis un appel d'offres pour des entrepreneurs pour réparer et remettre à niveau notre chalet du parc Saint-Viateur, qui est un joyau ici à Outremont. Donc, j'ai bien hâte de voir les résultats, mais donc la première étape ce soir, on la passe, puisque ça a été approuvé par le CCU. Autre bonne nouvelle, on a la zone piétonne sur Bernard qui commence le 22 mai cette année et qui va terminer le 9 octobre 2023. Donc, on a écourté un peu à la demande des citoyens et citoyennes. L'année dernière, au mois d'octobre, il n'y avait aucune activité. Les citoyens et citoyennes et les commerçants nous ont demandé de raccourcir de quelques semaines, mais nous allons en profiter grandement. Nous aurons des nouveaux aménagements sur la rue, sur Bernard. J'ai noté aussi, on a beaucoup réfléchi à l'élément cycliste et les vélos sur Bernard. Il y a toutes sortes d'opinions là-dessus. Nous avons essayé de trouver des solutions qui permettraient la cohabitation entre les vélos et les piétons. Et ce que la solution que nous avons trouvée, c'est que il y aura certaines heures d'achalandage lorsque les terrasses sont ouvertes, où on va demander aux cyclistes de marcher à côté de leur vélo. Et lorsque tout ça s'est terminé, donc entre 22h et 11h le matin, les cyclistes vont pouvoir se promener en vélo sur Bernard. Ensuite, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y a peut-être un dernier élément que je voudrais mentionner. On a reçu quand même une très grande subvention du ministère du Patrimoine, donc de 340 000 $, qui va nous aider à élaborer des projets de vivre ensemble. Donc, je sais qu'on l'avait déjà voté, on l'avait déjà approuvé, mais pour faire le communiqué officiel, il fallait attendre que tout ça soit apparu dans la Gazette du gouvernement du Québec. Donc, maintenant, on peut faire des communiqués, on peut l'annoncer officiellement. Donc, ces projets qui vont passer par les ruelles,
Donc, c'est des projets qui vont être élaborés par la communauté juive assidique et la communauté qui n'est pas juive. Donc, ils vont pouvoir élaborer des projets ensemble. Et il y aura aussi des ateliers de sensibilisation, etc. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le vivre ensemble. Alors, voilà, je m'arrête et je vais passer la parole à Mme Brown. Merci. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, aujourd'hui, on a des choses vraiment importantes qui vont se passer au Conseil. La première chose dont je voulais vous parler, c'est le marquage dans les rues. Habituellement, on fait le marquage quand la température ambiante est à 10 degrés, mais avec toutes les précipitations qu'il y avait pendant l'année, pendant l'été, on voyait le marquage s'effriter doucement et au retour de l'année scolaire, c'était plus aussi efficace qu'on voulait. Et on travaille beaucoup, beaucoup sur la sécurité, surtout autour des écoles, et on va essayer cette année quelque chose de différent, donc de faire le marquage un peu tôt et voir quelles seront les conséquences. Donc, c'est un beau projet pour la sécurisation et c'est un projet pilote. Donc, ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler. La deuxième, c'est qu'on va avoir une consultation publique sur l'urgence climatique le 28 mai au centre communautaire. Super important de participer en grand nombre. Cette consultation-là, c'est la concrétisation d'un groupe citoyen de 15 personnes qui ont travaillé sur différentes idées et idéaux. Et il faut absolument que la population outremontaise se déplace pour cette consultation publique-là parce que va émaner de ça notre plan d'urgence climatique qui va orienter chacune de nos décisions pour les prochaines années, ainsi que les objectifs qu'on va devoir atteindre et qu'on va vouloir atteindre. Donc, j'espère que vous pourrez passer le mot à cet effet-là. Aujourd'hui aussi, on annonce qu'il va y avoir un écoquartier à Outremont. C'est une super belle nouvelle. On était un des arrondissements qui n'en avait pas. Je suis vraiment fière aussi d'annoncer que c'est un organisme du quartier qui va s'occuper de ça. C'est vraiment un beau projet. Encore une fois, on débute, donc c'est quelque chose qui va être mis en branle. On avait plein de petits projets qu'on avait de la difficulté à mettre en branle et qu'on va pouvoir le faire grâce à cet organisme-là. D'ailleurs, je vois certaines, devrais-je dire, représentantes. Alors, merci de vous être déplacées. C'est un projet extrêmement emballant et je pense que les Outremontais et les Outremontaises vont être vraiment contents de voir ça arriver. On va aussi commencer un projet pilote cet été. On a beaucoup travaillé sur les pistes cyclables. On voulait des pistes cyclables sécuritaires pour les familles et les enfants et les autres également. Mais c'est sûr qu'on s'est beaucoup concentré dans la dernière année sur les transports d'écoliers qui allaient à l'école de chez eux. Vélo Québec nous a remis un rapport et on a eu quelques belles rencontres avec les équipes responsables de l'arrondissement à cet effet-là. Et on espère pouvoir débuter des projets pilotes cet été. On risque de commencer avec des voies désignées sur les tracés particuliers, mais donc, encore une fois, en mode projet pilote, on aura l'occasion justement d'entendre les commentaires des citoyens, savoir où est-ce que c'est pertinent et où est-ce que ce n'est pas. Donc, ça sera très flexible également. On va aussi ce soir faciliter l'obtention du permis d'abattage d'arbres parce que jusqu'à présent, autrement, si vous vouliez abattre un arbre, il fallait un rapport d'expertise en ingénierie arboricole. Ceci étant dit, avec le ravage qu'on a connu, les gens nous appellent très désespérés en disant « aidez-nous, on a besoin d'abattre notre arbre ». Donc, il y a des modifications qui vont être prises pour faciliter l'abattage d'arbres sous réception de photos qui montrent que l'arbre, évidemment, met en danger la sécurité des gens ou la sécurité des bâtiments. Donc ça, ça va être très, très court dans le temps, mais le temps qu'on réussisse à ça. Il y a effectivement aussi un événement qui s'appelle Entre Elles, qui est une vente de vêtements de seconde main de qualité ainsi que de vêtements de designer qui va avoir lieu le 4, 5, 6 et 7 mai. Je vous invite à vérifier sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Facebook. C'est encore une fois l'organisme Outremont Famille qui organise ça et je pense qu'il y aura beaucoup d'adeptes. Alors voilà, c'était les annonces que j'avais à vous faire aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui se sont déplacés. Madame Potvin, je vous cède la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Alors bonsoir, je voudrais vous parler de... J'ai eu pas mal de questions concernant le projet du 1420 Mont-Royal et c'est passé, il y a eu l'OCPM cet automne pour faire une évaluation du projet comme tel. Alors, on attend depuis ce temps-là le rapport de l'OCPM. On s'attendait
à février, mais ça retarde un petit peu. Donc, plusieurs citoyens me demandent quand ça va être présenté, quand est-ce que, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, ça va venir, semble-t-il, peut-être début juin. J'espère bien, après ce temps-là. Et également, il y a également au niveau des arbres, le long du boulevard Mont-Royal, c'est assez ardu parce que c'est, tous les, c'est tombé du côté du Mont-Royal. Donc là, de ramasser ça, c'est autre chose. Mais heureusement, Mme Poitras est là, qui est responsable des travaux publics et tout, qu'elle en a plein le dos depuis. Depuis cette heure-là, c'est une femme merveilleuse et si compétente. Alors là, on va voir à cette partie-là du boulevard Mont-Royal qui bloque un peu les citoyens. Un peu. C'est assez lourd. Encore Saint-Joseph, dimanche, il y avait quand même pas mal de gros bacs d'arbres coupés et tout, et là, ça a été enlevé. Alors, c'est assez rapide et on ne peut pas dire que ça a pris du temps. Vous avez été quand même très efficace avec M. Meloche et tout, et votre équipe. Alors, merci beaucoup là-dessus. Et puis, il faut penser aussi au Castelier qui aura le 26 mai un cocktail de financement à 17h. Alors, j'en parle parce que les Casteliers, c'est tellement extraordinaire, cet endroit-là de culture et pour les enfants, pour les gens d'un certain âge. Alors, c'est pour ça que je parle de ce qu'il va se passer le 26 mai. Également, je voulais vous parler peut-être d'autre chose. Ah oui, concernant le souper des bénévoles. Le souper aux bénévoles, c'est début juin, si je ne me trompe pas. C'est début juin, le lendemain, je crois, la veille du souper du homard, je crois. C'est l'avant, c'est ça. Donc, c'est le 8 juin, le souper des bénévoles. Le souper de homard, c'est le 9 juin 2023. Moi, j'ai déjà réservé ma chaise pour le homard. Et la kermesse du 10 et 11 juin. Donc, il ne faut pas rater ça, il faut suivre ça. Et également, les casteliers sur l'herbe, le 13, 20 et 27 août. Le tango au Parc Beaubien. Peut-être qu'on va pouvoir y aller après ce soir. On va peut-être aller danser le tango. Alors, ça, au Parc Beaubien, ça va commencer début juin, fin juin. Madame Poitras, pouvez-vous me dire à quel moment ça va commencer? Début juillet. Début juillet, le tango, chaque semaine, non, je pense? Pardon? Les dimanches. Les dimanches, c'est ça, monsieur. Alors, donc, ça promet un beau début en juin et tout le temps de l'été. Alors, je vous remercie. Merci. Juste pour préciser, j'ai regardé mon calendrier. Je pensais le souper des bénévoles le 7 juin, le mercredi 7. Oui, le souper des bénévoles le mercredi. Ah oui. Puis le jeudi, il y a autre chose. Mais le 9, c'est les homards. Exact. C'est ça. Donc, il n'y a rien le jeudi. Il n'y a rien repos jeudi. Repos de l'estomac. On recommence avec les homards. Oui, le souper spaghetti. Le souper spaghetti, c'est ça. Samedi. Je me souviens. Et comme d'habitude, nous serons au service en train de servir les plats de spaghetti. Ben oui, c'est un mois de juin intéressant. Excellent. Tout l'été, c'est intéressant. Absolument. Donc, merci et je passe la parole à Mme Patrault. Merci, M. Nébois. Alors, rebonjour à toutes et à tous. J'ai commencé par des merci, moi aussi. Moi, je me joins à M. Nébois pour remercier les équipes de l'arrondissement qui, dès la tempête et le lendemain, étaient tous et toutes à pied d'œuvre pour venir réparer les dégâts de cette fameuse tempête de verglas qui a laissé beaucoup de branches sur le sol et beaucoup d'arbres malmenés dans notre arrondissement. Merci aussi aux équipes des arrondissements voisins qui sont venus donner un coup de main. Et puis, je pense que là, on commence à voir le bout en termes de nettoyage. Alors, merci aux équipes qui travaillent de façon ardue sur ce dossier, en même temps qu'ils passent de l'hiver à la saison estivale au sein de l'arrondissement.
Au niveau de la sécurité des piétons, je vais dire un merci aussi à la ville de Montréal. Là, on vote aujourd'hui le stop sur Thérèse Lavoie-Roux à Coin Champagneur. Alors, c'était un endroit qui demandait sécurisation et je suis bien contente que ça puisse aller de l'avant. Alors, on va de l'avant dès aujourd'hui. Il y a un point aussi que je souhaite mentionner dans le campus Mines, dans le Nouvel Outremont, en fait, qui inclut le campus Mines. C'est l'aspect, il y a plusieurs citoyens, citoyennes qui m'ont posé des questions à ce sujet, c'est l'aspect de faire un stationnement à la place du parc Irma Levasseur actuel. Là, c'est vraiment dommage d'avoir à couper des arbres pour faire un stationnement alors que c'est prévu pour être un grand parc. Alors je sais qu'il y a des questions là-dessus, mais je pense, Monsieur Desbois, il faudra clarifier cette situation et voir comment c'est possible de pas avoir un stationnement qui vient remplacer un parc et qui impose la coupe d'arbres matures dans ce secteur. Il y a peu d'arbres matures actuellement dans cette zone et c'est vraiment important de les garder. En termes d'événements, il y a un événement qui n'a pas été mentionné, c'est le 28 mai, Cultivons Outremont. Donc, 28 mai en matinée, soyez prêts à venir chercher fleurs, plantes et terres disponibles pour embellir et verdir toujours plus notre quartier. Et puis, c'est la même journée que la consultation sur les changements climatiques que vous avez annoncé. Donc, on avait prévu la consultation déjà il y a plus d'un an sur les changements climatiques. Je suis contente que finalement elle ait lieu maintenant. Les anciens contrats ont été annulés, ont été résiliés en 2022 et là on va de l'avant avec enfin cette consultation publique. Alors je m'en réjouis, je vous invite tous et toutes à venir y participer. Ce sera le 28 mai en après-midi, une fois que vous aurez récupéré vos fleurs et plantes le matin. Alors je vous invite à venir et puis à discuter, notamment vous avez mentionné les objectifs de carboneutralité. Monsieur Desbois, pendant votre campagne électorale, vous vous engagiez à atteindre la carboneutralité en 2045. Or là, l'annonce qui est envoyée, c'est un plan pour atteindre la carboneutralité en 2050. Alors, je comprends que vous avez reculé l'objectif. Alors, si c'est possible d'avoir des précisions par rapport à ça, ce serait vraiment intéressant, s'il Avec vous plaisir. Plaît. Ok, excellent, parce que vous ne répondez pas toujours à mes questions. Alors, j'ai bien hâte que cette-ci, vous y répondiez. Et puis, je vous rappelle qu'on s'est engagés, tous et toutes, élus ici présents, à penser aux enfants, notamment quand ils sont venus nous présenter la chaise des générations. Alors, on a hâte d'entendre les raisons du recul par rapport à votre engagement. Je veux souligner que l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne de sensibilisation sur tout le Québec. Le thème, c'est « Derrière chaque élu municipal, il y a une personne ». Traitons nos élus municipaux comme du monde. Alors, vous avez peut-être eu l'occasion de voir certaines publicités sur vos réseaux sociaux ou à la télévision. Donc, ce message, c'est un message de solidarité qui est le résultat qui est une des mesures qui a été annoncée il y a déjà plusieurs mois dans un plan d'action pour favoriser le respect et la civilité. Unis pour la démocratie, c'est le nom du plan qui avait été déposé en marge des élections municipales dernières. Alors la campagne se déroule actuellement jusqu'à la fin du mois de mai et l'idée, elle a pour but de sensibiliser les citoyens, les citoyennes à l'importance du respect dans leurs interactions avec le personnel et les élus municipaux ainsi que sur les bonnes pratiques pour exprimer son opinion. Donc, je vous invite à prendre connaissance de ces messages et également à participer à la vie démocratique au sein de l'arrondissement de façon respectueuse.
Alors, ça clôt mon point pour ce soir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci. Donc, je passe la parole à Mme Polak. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, ce soir, je vais vous parler de mon motion que je présente ce soir, que j'ai proposée tout à l'heure. C'est pour ajouter à l'ordre du jour du Conseil une période de questions pour les élus. Par souci de transparence pour améliorer la démocratie entre nous au Conseil, pour nous tenir aussi redevables devant les citoyennes. Je trouve que ça sera important. On l'a déjà eu à Outremont avant, puis je pense que ça sera le temps de le ramener. J'espère que ça sera une vote unanime. Moi aussi, j'aimerais me joindre à mes collègues pour remercier les équipes, les employés, les organismes aussi qui ont travaillé fort durant la verglas, la tempête qu'on a eue. Moi j'avais 10 ans quand la dernière verglas a eu lieu, puis je me rappelle m'avoir levé le matin pour voir le monde complètement changé. J'imagine que ça va marquer aussi la mémoire de nos enfants dernièrement, puis... Vraiment, on était prise par surprise. C'était une fin de semaine avec Passover, avec la fête de Pâques. C'était pas facile, mais j'aimerais aussi souligner la solidarité entre les voisins. Là où il y en avait, c'était vraiment quelque chose que je trouve démarque nous comme arrondissement. J'avais voulu aussi parler de l'événement Entre Elles, qui est une levée de fonds pour les projets liés à la transition écologique d'Outremont en famille. Je serai là, mais merci Madame Brown pour avoir volé le punch. Il y a aussi l'Assemblée publique la semaine prochaine, le 10 mai. Donc à 14h à l'Hôtel de Ville de Montréal. Donc c'est la commission sur les transports et les travaux publics, la présidente présidée par Madame Laurence Parent. Donc on va présenter les conclusions, les recommandations sur la consultation qu'on a faite pour les traversées de rue en termes d'accessibilité universelle. C'était vraiment un travail fort intéressant avec des participants de tout background, de toute mobilité et niveau d'accessibilité. Puis je pense que tous les conseillers ont appris tellement de choses pendant cette consultation. J'ai hâte à ce que vous en prenez connaissance des recommandations. Et un petit rappel pour ceux d'un certain âge, 65 et plus, à partir de juillet, le carte Opus sera entièrement gratuite. Donc, faudra en parler puis en s'assurer que tout le monde en prendra avantage de ça. Alors voilà, c'est tout pour moi ce soir. Merci. Merci, Mme Polak. Donc, nous passons maintenant, si je ne me trompe pas, à la période des questions. À l'adoption de l'ordre du jour. Donc, la proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont du 2 mai 2023 à 19h en modifiant le point 65.01, en retirant le point 65.02 et en modifiant au point 40.16 la règle de stationnement applicable du côté ouest de l'avenue du Rocher pour qu'elle puisse se lire ainsi. Stationnement prohibé en tout temps, excepté de 13h à 15h le lundi du 1er avril au 30 novembre. Je propose. J'appuie. Pour passer au vote, Mme Patrou. C'est possible. Vous avez un commentaire? Oui, d'accord, excusez-moi. Ben, de comprendre les modifications qui ont été apportées, non, parce que, qui sont proposées, on ne les a pas présentées auparavant. Le changement, c'est... Il y a une des motions, il y a une conclusion qui a été modifiée quelque peu, mais le sujet était déjà à l'ordre du jour, donc okay. Celui-là, on change la recommandation. Il y a un point qui est retiré complètement, donc la motion sur la rue École Dollard est retirée. Et il y a une coquille dans le règlement 40.16, donc la règle de stationnement n'était pas la bonne. Donc, pour l'adopter, il faut adopter avec la bonne règle de stationnement. Parfait, donc, merci. Ce qu'on corrige. Merci beaucoup. Donc, je suis pour. Madame Polak. Pour. Et je suis pour.
Maintenant, on a le dépôt, s'il n'y a pas d'amendement, on a le dépôt d'une motion sous affaires nouvelles qu'on doit voter, qui sera analysée à la fin de la séance. Donc, c'est le dépôt de la motion du maire Desbois, donc de demander à la Ville de Montréal d'octroyer une aide financière urgente et récurrente afin de prendre soin de la canopée. Conformément à notre règlement, on doit voter pour l'ajout de cette motion pour pouvoir en discuter à la fin de séance. Donc, elle est proposée par M. le maire. Oui. J'appuie. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires ou questions ou on passe au vote? Donc, Mme Potvin. J'appuie. Mme Patro. OK, j'appuie. Mme Pollack. Pour. Donc, voici la période des questions. Avant de débuter la période des questions, j'aimerais faire quelques rappels sur la période des questions, sur la séance en général. Que sur certaines règles à suivre, juste pour être très clair. En tant que président de l'Assemblée, ma responsabilité est de m'assurer que les moyens sont pris afin de maintenir un climat de respect et de civilité pendant la séance. Donc, les règles de régie interne et règlements du Bureau du respect de la personne prévoient que les échanges au Conseil se fassent dans le respect et la civilité. C'est pourquoi je tiens à rappeler que les membres du Conseil doivent faire preuve de civisme lors des échanges. Alors, il y a trois niveaux d'échanges ici. Donc, nous avons des échanges entre les élus au Conseil. Donc, là, il faut que chaque élu, chaque personne respecte les règles. On écoute, on parle, on écoute, on attend que la présidence octroie le droit de parole. On ne coupe pas la parole. Donc, ce genre de règles-là, donc de respect, de civilité, tout simplement. Aussi, nous, les élus, nous avons le devoir de respecter les citoyens et citoyennes qui viennent poser des questions. Donc, on écoute avec respect, on répond à la question. Et aussi, les citoyens et citoyennes qui viennent poser des questions doivent aussi poser ces questions-là dans le respect et la civilité. Donc, on m'a rappelé souvent, parce que j'ai demandé plusieurs avis là-dessus, juste un rappel, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Le conseil, les séances du conseil sont faites pour gérer les affaires de l'arrondissement. Donc, on passe les règlements, on alloue des budgets, etc. Et il y a une période de questions qui est octroyée. Donc, ça, c'est très usuel et c'est très bien comme ça. Ça permet aux citoyens et citoyennes de poser des questions. Mais la période de questions n'est pas une période de commentaires ou d'élaboration sur des opinions personnelles ou de débats. C'est une période de questions. C'est-à-dire que les citoyens et citoyennes, avec un court préambule pour mettre en contexte, posent la question. Et il faut que le préambule soit évidemment lié à la question. Et l'élu répond et le citoyen citoyenne peut poser une question complémentaire, auxiliaire, qui doit être liée à la première question. Alors, je suis aussi soucieux de l'équité entre les personnes qui viennent poser des questions. On a beaucoup de questions. Je pense que ce soir, on en a une trentaine. Donc, passer à travers les questions, ça prend quand même un certain temps. Et je veux m'assurer que les gens qui viennent, en particulier ici au Conseil, qui attendent pour poser leurs questions, et les gens qui nous écoutent, qui ont posé des questions en ligne, puissent avoir leurs questions plutôt que plus tard. Je pense que les gens ont hâte de retourner à la maison, s'occuper des enfants ou enfin, quoi qu'il en soit. Et donc, je vais dans un des prochains conseils, on va instaurer une nouvelle règle qui se fait dans plusieurs conseils où les citoyens et citoyennes ont 2 minutes pour poser la question. Donc, on va limiter le temps à 2 minutes avec un préambule. Et ensuite, on a le droit de poser une question auxiliaire et ça se fait dans 1 minute. Donc, je pense que dans ce temps-là, la personne peut poser sa question avec le contexte et les citoyens qui attendent n'attendent pas trop longtemps pour avoir la chance de poser sa propre question. Donc voilà, merci beaucoup. Donc c'est ce que j'avais à dire et les petits rappels que je voulais faire. Et
Maintenant, je vais laisser la parole à vous. Donc, citoyennes et citoyennes qui sont venus, vous êtes venus ici au Conseil pour poser votre question. Et c'est, je vais commencer, j'ai la liste ici de questions des personnes qui sont en présence. Donc, la première question va à M. Marc Poulet. Bonsoir. Bonsoir. Ma question s'adresse à Mme Patrou. Au dernier conseil, je vous ai demandé quelle était la nature du conflit d'intérêts invoqué pour vous soustraire à votre obligation de voter sur les motions de nomination de M. Lucier au CCU et d'excuses à son égard pour la discrimination politique dont il a été victime. Plutôt que de répondre publiquement, vous m'avez demandé de vous contacter privément pour la réponse, ce qui a été fait, donc merci beaucoup. Puisque le tout est, selon moi, d'intérêt public, je me permets ici de reprendre des éléments clés de votre réponse. Un, c'est que c'est vous qui avez sollicité le conseiller à l'éthique pour cette opinion. Et deux, le conflit d'intérêts est relié à la demande de M. Lucier à la Commission des droits de la personne pour faire valoir ses droits et pas autre chose, là, pas un autre conflit d'intérêts présumé. Il est inquiétant que si la chose a été entendue et jugée, vous vous sentiez incapable d'appuyer une motion d'excuse. En fait, à la discrimination s'ajoute maintenant la rancœur à l'égard de M. Lucier parce qu'il a osé faire valoir ses droits devant votre intimidation politique. Votre comportement dans ce dossier n'est pas banal. La motion que vous avez votée avec Mme Pollack s'attaque, comme l'a dit le juge Juppé, à un droit fondamental en démocratie, celui de pouvoir exprimer des convictions politiques sans crainte de représailles. Votre question, M. Poulin? Non, j'ai le droit à deux minutes, là, quand même, je suis loin du compte. Juste un rappel, M. Poulin, que... Pour vous... Encore, non, M. Poulin, s'il vous plaît, juste rappeler que, encore une fois, là, ce que je disais au début, c'est que le préambule doit être court et pas trop s'étendre sur du commentariat. Non, mais j'expose la situation. Vous avez dit qu'on a le droit à deux minutes. Je suis bien dans le temps. D'accord. Je te laisse. D'accord. Là, vous m'avez fait perdre parce que j'en étais rendu. Pour vous, comme vous me l'avez souvent dit, il y a les vrais citoyens et ceux qui osent vous défier politiquement. Ces derniers peuvent être bloqués impunément sur les médias sociaux ou, et qu'ils se tiennent pour dire, seront sujets à potentielles représailles si vous êtes élu. En refusant toute introspection après le jugement du tribunal des droits de la personne, en colportant que la plainte a été rejetée alors qu'il n'en est rien, en admettant ne pas avoir l'éthique nécessaire pour voter sur des motions impliquant un ex-adversaire politique ou en invoquant le harcèlement pour brimer la liberté de parole, ce sont vos manquements démocratiques graves qui sont ainsi exposés. Ma question. Merci. Allez-vous reconsidérer votre décision de ne pas vous excuser auprès de M. Lucier et compenser les citoyens pour le jugement qui a été rendu et qui a forcé l'arrondissement à payer 7 000 $ Donc, comme toujours, la question m'est adressée. Je vais céder la parole à Mme Patrou, si elle veut répondre. Bonjour. Bonjour, M. Poulin. Merci pour vos commentaires et vos questions. Donc, pour ceux qui sont peu familiers avec le conseil d'arrondissement, M. Poulin est aussi chef d'un parti politique à Outremont. Donc, ces questions sont souvent teintées de cet aspect. Alors, M. Poulin, nous avons discuté, j'ai répondu à vos questions. Ça fait un an que vous venez à chaque conseil me poser le même type de questions. Donc, j'ai plus d'autres réponses à vous fournir que celles que je vous ai déjà fournies. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Bon, en complémentaire. En question complémentaire, oui. Madame Patrou, avec le commentaire que vous avez fait sur mon implication politique, n'est-ce pas justement une preuve de votre discrimination politique et que vous traitez les citoyens de façon différente en fonction de qui ils sont? Merci. Merci pour... Merci, M. Poulin. Donc, on va passer à la seconde question. Madame Marie-Lise Lapierre. Alors, bonsoir.
Je trouve toujours précieux ces soirées où les citoyens et les élus peuvent communiquer. En général, j'assiste à l'Assemblée, mais ce soir, là, j'ai une question à poser qui concerne la qualité de vie à Outremont. Alors, mais avant, je veux vous féliciter d'avoir réussi à améliorer considérablement la gestion des déchets à Outremont. Alors, depuis qu'il y a des poubelles fermées, on n'a plus de sacs qui sont éventrés et où les déchets se répandaient un peu partout dans les rues et dans les ruelles. Là, il y a vraiment une amélioration considérable. Et je constate que quand on a une volonté politique, on est capable de faire des choses. Et c'est pour ça que moi, ce soir, j'espère que vous pourrez utiliser votre volonté politique pour améliorer deux autres aspects. Alors, les deux aspects qui me préoccupent, c'est l'entretien des façades et des terrains, et l'autre, c'est la question des autobus. Sur l'entretien des façades, je me rappelle, en 83, quand je suis devenue propriétaire d'un étage de triplex, on avait reçu une amende de 100 $ parce que le gazon n'était pas coupé. Alors, en 83, c'était beaucoup d'argent, 100 $, puis on l'a payé, puis à ce moment-là, Outremont était vraiment une ville jolie, agréable et tout ça. Mais actuellement, malheureusement, quand on se promène, on ne trouve pas toujours ça aussi joli et agréable. Il y a beaucoup de façades qui sont délabrées, qui ne sont pas repeintes. Il y a des escaliers tout croches. Il y a des balcons dont on se demande quand est-ce qu'ils vont tomber. Puis souvent, sur les façades, les gens laissent des détritus, des objets à moitié brisés. Puis même les poubelles, je pense que c'est bien les poubelles, mais c'est pas fait pour être sur le devant de la maison. Une fois que c'est ramassé, on devrait les mettre à l'arrière. Alors, je trouve ça préoccupant parce que dans les années 70, la Ville de Montréal a mis beaucoup d'argent pour rénover le secteur entre Laurier et Ducharme, à l'est de McEachern. Et ça a été considérable, ça a été formidable, parce que là, vraiment, le quartier est réapparu dans toute sa beauté, dans tout son patrimoine. Puis là, j'ai l'impression qu'on est en train de reculer. Et je pense que ça prend pas beaucoup de temps pour que ça se dégrade une situation. Par exemple, si vous allez sur la rue Jeanne-Mance, qui est la première rue à l'est d'Avenue du Parc, on a l'impression là, d'arriver dans un autre monde, là, dans le tiers-monde. Alors, dès qu'il y a une ou deux ou trois façades, bien là, les autres aussi se dégradent. Ça décourage les gens de faire attention. Et là, ma question, c'est qu'est-ce que le Conseil peut faire pour obliger, ma foi, les citoyens à entretenir leur maison, leur façade et le terrain qui les entoure. Puis là, ouais. D'accord. Merci beaucoup pour votre question. Et en ce qui concerne la propreté, effectivement, on a investi quand même beaucoup l'année dernière et cette année, on continue. Chaque année, on va le faire. On a augmenté les budgets pour les cols bleus et la machinerie pour maintenir l'arrondissement propre. Aussi, il y a une réglementation pour les bacs. Ils doivent être rentrés avant 22 heures le soir même. Donc, s'il y a des gens qui ne font pas, ils sont sujets à constat et amende. Lorsque vous parlez de Jeanne-Mance, je voudrais juste spécifier que ça, c'est l'arrondissement du plateau Mont-Royal, donc c'est pas, ça fait partie de l'Outremont. Oui, je le sais, mais c'était joli avant, puis on voit à quel point, en peu de temps, ça s'est dégradé. Ouais. Alors, je me dis, vous ne voudrez pas que ça arrive à Outremont. Et là, je vais peut-être, pour le processus pour maintenir le quartier là, en état, lorsqu'il y a des maisons qui ont besoin de travaux, tout ça, peut-être si je peux passer la parole à M. Meloche, juste pour expliquer le processus que les citoyens peuvent suivre pour... porter à l'attention à l'arrondissement là, de certaines... Oui, tout à fait. On a une multitude de règlements qui s'appliquent. Donc, ce que je vous soumets, c'est si vous avez... donc, on prend l'entretien des bâtiments, c'est le règlement 03-096, 07-034. Ce sont des règlements qui permettent d'assurer la sécurité pour les usagers, pour les bâtiments. Donc, comme vous parliez d'un balcon qui est en mauvais état ou ces éléments-là, donc on peut intervenir. On vous soumet, si vous avez des adresses, vous pouvez faire des plaintes au 3-1, puis les équipes d'inspecteurs vont pouvoir le suivre. Puis la même chose pour ce qui est de la propriété des terrains, là, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, il y a des articles réglementaires qui s'appliquent et les équipes vont pouvoir les appliquer. D'accord. Merci.
Merci, madame. Alors, la deuxième question qui est liée sur la qualité de vie, là, c'est la question des autobus qui, malheureusement, ne s'améliorent pas, puis ça devient de plus en plus inquiétant. Je me suis installée un beau jour, là, juste sur mon balcon, et puis j'ai compté 40 autobus en une heure devant chez moi. Et ces autobus-là sont beaucoup plus bruyants, les autobus scolaires, que l'autobus de la ville qui passe au coin de la rue. Ça pollue énormément l'air et puis ça bloque la circulation. Alors, je me demande comment ça se fait que, est-ce qu'on a du pouvoir pour réglementer? C'est ce que je voudrais savoir. C'est quoi le pouvoir du conseil sur la question des autobus scolaires? Puis le soir, c'est plus des autobus scolaires. En fait, c'est le transport en commun de la communauté hassidique. Là, les hommes n'ont pas le droit d'entrer dans les autobus où il y a des femmes. Alors, ils utilisent les autobus Merci, scolaires. Merci, madame. Peut-être que je ne vais pas aller dans les commentaires sur les autres, là. Donc, je vais juste ramener la question à la circulation des autobus scolaires. Donc, c'est un débat qui a lieu depuis longtemps, là, autrement. Heureusement, on s'en va. Il y a deux choses. Il y a la pollution, il y a la circulation, les arrêts. Donc, sur la pollution, heureusement, là, on s'en va vers l'électrique et on va en avoir de plus en plus souvent ici à Outremont. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. En ce qui concerne les arrêts, dans Outremont, je ne sais pas si c'est la loi du ministère des Transports, là, je pense qu'il y a effectivement assez encadré. J'ai promis de m'asseoir avec les représentants, les commissions scolaires, les écoles, pour améliorer. Nous avons déjà des pistes dont nous avons discuté, donc pour améliorer la fluidité et diminuer le temps d'attente. Donc, c'est vrai que nous sommes un arrondissement dense et avec beaucoup d'enfants, mais on va travailler dessus pour augmenter la fluidité ici autrement. Merci beaucoup, madame, pour vos questions. D'accord, parfait, merci. En tout cas, il y a le comité du vivre ensemble, là, dont j'ai entendu parler. Peut-être que ça pourrait être un des sujets prioritaires, la question des autobus pour le vivre ensemble. Merci. Je vais passer la parole à Mme Sophie Vidal. Bonjour, merci. Bonjour. J'ai également 2 minutes, c'est ça? Oui, c'est de préférence. C'est pas encore un règlement, alors. Je vais essayer de faire rapide. Je suis donc effectivement Sophie Vidal. Je suis salariée à l'organisme Outremont Famille en tant que coordinatrice dans le volet de la transition écologique et également citoyenne depuis peu d'Outremont, donc à double titre. Je voulais vous faire part du projet de l'arrivée d'un écoquartier. On se réjouit, toute l'équipe et tout le CA, sur ça. Donc, en quelques mots, je voulais quand même expliquer ce que c'était qu'un écoquartier. C'est une ressource, il faut le voir comme une ressource en première ligne pour le citoyen, les commerçants, les industriels et les institutions, qui va permettre de les aider et de les orienter vers des meilleures pratiques environnementales. Il en existe déjà dans la région montréalaise, enfin à Montréal, 18. L'ensemble de ces pratiques environnementales sont sur 4 volets, principalement la propreté, la gestion écologique des matières résiduelles, l'embellissement et la nature en ville. La grande question, c'est qu'est-ce que ça va apporter aux résidents? Et c'est vrai que, justement, on vient d'en parler, c'est l'amélioration du cadre de vie de la population outremontaise. L'objectif, c'est d'aller vers une transition écologique cohérente, avec les plans qui existent déjà, comme le plan climat de la ville de Montréal, mais surtout, pour que la transition écologique soit réussie, il faut qu'elle soit mobilisatrice de la population. Elle ne se fera que pour et par la population, qui deviendront de véritables acteurs du changement. On souhaite aussi aller avec l'ensemble de la population d'Outremont, justement, pour être plus inclusif, et pour faire ressortir ce pouvoir et cette capacité de vivre ensemble et de faire ensemble. Ensuite, l'idée est de répondre à des services adaptés
aux besoins de la population, toujours dans le but d'être cohérent et d'encourager justement, parce qu'on les fait, on va les faire s'impliquer, toute l'innovation sociale à fort impact transformateur. Voilà. Donc, en clair, pourquoi est-ce que la mission est confiée à Outremont Famille ? L'acteur est clairement incontournable depuis 2009 et complètement ancré dans son territoire, reconnu par les familles. Alors, votre question ? Mais alors, en fait, je n'ai pas mentionné, moi, que j'avais une question. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est parce que c'est la période des questions. Donc, ben oui, c'est pour ça qu'on m'a appelée. J'étais surprise. D'accord. Ben merci. Merci. Vous conclure, peut-être. Ben, écoutez, on est tous ravis de ce projet d'éco-quartier. On a envie de travailler avec la population et avec vous pour avoir un éco-quartier éco-responsable, équitable, inclusif et participatif. Voilà. Ben, désolée, merci beaucoup. Je n'avais pas compris. D'accord. Pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mais merci beaucoup. Et je dirais que je pense que l'ensemble ici du conseil, on est très très enthousiaste avec. Je pense qu'on partage votre enthousiasme aussi là. Donc on a bien hâte de voter ce soir, effectivement. Merci beaucoup. Donc, je vais passer maintenant la question à Nicolas Gaudreau. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, Madame Bottevin, Monsieur Meloche. Je me présente à vous car j'ai su, là, à l'ordre du jour, qu'il y avait un article qui s'appelait le 4704, qui s'appelle « Adopter en vertu du règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, une résolution visant une demande d'approbation d'un plan d'implantation d'architecture » pour l'immeuble 41 de la Brunante. Donc, moi, je suis le voisin du 41 de la Brunante, je suis le 43 de la Brunante. Et je viens ici parce que je suis assez inquiet de ce projet. En réalité, cette inquiétude dure depuis un an. Ça fait un an qu'on me parle de ce projet-là, et ça fait un an que j'ai documenté à plusieurs reprises, d'ailleurs par email, vous, M. le maire, Mme Potvin, M. Meloche, mes inquiétudes face à ce projet-là. Ce projet, tel que je l'avais initialement entendu, là, allait causer des vrais préjudices à ma propriété. Madame Potvin, vous étiez venue chez moi, puis vous étiez d'accord avec ça. Monsieur Meloche, on avait échangé quelques emails. J'avais échangé quelques emails. J'avais parlé à Monsieur Flies de votre Flies. Donc, ça m'inquiète beaucoup cette clause-là, et je veux juste être sûr que mes inquiétudes ont été prises en compte avant que le Conseil adopte cette résolution pour approuver ce projet. Donc, ma question, pouvez-vous m'expliquer clairement le projet qui va être approuvé et comment il rencontre les règlements d'urbanisme sans nuire à ma propriété? Bon, je peux peut-être commencer avec M. Meloche, si vous voulez bien, et ensuite peut-être les gens du CCU, quelqu'un parce que ça a passé au CCU, ou peut-être vous pouvez répondre aussi. Là. Oui, donc effectivement, là, le projet tel qu'il a été soumis au début, puis ce qui est autorisé aujourd'hui, il y a tout un travail qui a été fait pour diminuer, donc on parle d'un agrandissement là, à l'arrière du bâtiment du 41 de la Brunante. Donc, vos éléments là, qui étaient légitimes, là, entre autres en grande partie la perte d'ensoleillement, l'ampleur de l'agrandissement aussi. Donc, le projet qui a été vu au CCU, pour lequel il a eu une recommandation favorable et qu'il est soumis aujourd'hui au Conseil pour approbation, c'est un projet qui est de plus petite envergure. Vous êtes le mitoyen, hein? C'est ça. Donc la forme de l'agrandissement va reprendre essentiellement la forme de votre bâtiment. Donc, on fait pratiquement, un jumeau de votre bâtiment, un miroir. Là, un miroir. Donc l'agrandissement ne sera pas sur la ligne de... Non, du tout. Là. Donc, il y a vraiment un travail qui a été fait à l'interne avec l'équipe de l'architecte dans mon équipe, puis aussi avec le CCU, pour diminuer la portée du projet, puis avoir un projet qui sera de bonne qualité et qui va limiter les impacts pour votre propriété. Là. Bien, ça me semble d'excellentes nouvelles. Je vous remercie d'avoir pris en compte mes préoccupations. C'est tout ce que je veux savoir. Merci. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Merci. Prochaine question va à M. Simon Latraverse. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, je suis venu vous parler d'une grande question.
J'ai pris connaissance, en fait, ça fait déjà un certain temps, mais du budget 2023 de l'arrondissement. Et dans l'énoncé de ce budget, on parlait d'enjeux qui avaient, disons, présidé à la préparation du budget. Et je vais vous les rappeler, si vous permettez. D'abord, il y a la question du déficit structurel des transferts provenant de la ville-centre. OK? On dit qu'entre 2015 et 2020, l'arrondissement a perdu plus de 10 % de son budget. Ensuite, on parle de l'indexation des transferts de la ville-centre qui ne correspondent pas au taux d'inflation réelle des coûts de la main-d'œuvre et des autres éléments. Ensuite, il y a le fait que, avec, disons, Outremont, le 1000, c'est ça, la population, c'est-à-dire le territoire de l'arrondissement a augmenté et sa population, on parle ici d'une augmentation de 13 % sans qu'il y ait aucune augmentation compensatoire de la dotation de l'arrondissement. Et on conclut ces enjeux en disant que le financement de l'arrondissement est insuffisant pour assurer le niveau des services et notamment la propreté, le verdissement, l'entretien des parcs. Enfin, concernant la propreté, je pense que tout le monde va reconnaître qu'il y a un problème grave qui existe, qu'on n'est pas capable de résoudre parce qu'on n'a pas les moyens suffisants pour l'inspection, pour faire l'inspection, pour distribuer des contraventions, des constats, et ensuite pour faire valoir devant les tribunaux, si c'est nécessaire, la perception de ces amendes. D'autant plus que, comme arrondissement, on touche rien sur ces amendes. Donc, le coût du respect des règlements est disproportionné par rapport à ce qu'on retire. Ensuite de ça, l'idée que ce sont les citoyens qui doivent porter plainte pour que l'arrondissement intervienne pour faire respecter le règlement, encore là, c'est une situation qui reflète l'incapacité de se financer. Donc, ma question, c'est, constats sur le déficit structurel de l'arrondissement, de son financement, on peut parler de son déficit fiscal. Je pense que c'est certain que on est, j'imagine, comme maire, comme conseil, vous êtes submergé ou complètement pris par les questions immédiates, les questions courantes, et on peut oublier les grands enjeux tels que ceux mentionnés dans votre préambule budgétaire, de sorte que l'année prochaine, on va arriver avec la même situation et les mêmes problèmes. Donc, ma question, c'est quelle est la stratégie de l'arrondissement et quelle est votre stratégie, vous, en tant que maire de l'arrondissement et, je crois, vice-président de la Commission des finances de la Ville de Montréal, pour régler le déficit structurel d'Outremont? Est-ce que vous avez intention de demander une réforme, la formule de répartition des transferts? Est-ce que vous avez intention de demander des changements dans les responsabilités de l'arrondissement et donc dans la perception des revenus aussi? Et qu'est-ce que vous entendez faire? Est-ce que vous avez un plan pour ça? Oui. D'accord. Merci beaucoup pour votre question. Puis, effectivement, merci d'avoir résumé les enjeux auxquels nous faisons face, là, dont j'avais parlé lors du budget en 2022. Vraiment, le système audio ici est terrible. Vous répondez, là, je vous entends pas. Je suis pas capable de vous comprendre. Est-ce qu'on m'entend ou non, pas assez? Est-ce qu'on peut augmenter le volume, peut-être? Ou... Ça va mieux comme ça? Ah! D'accord, merci. OK. C'est bon. Je vais me rappeler. Donc, merci en tout cas d'avoir résumé les enjeux fiscaux auxquels nous devons faire face ici à Outremont. Vous avez raison de dire que notre financement est insuffisant. Vous me demandez quelle est la stratégie ici pour faire valoir
nos besoins et d'influencer le financement de l'arrondissement de la part de la ville-centre. Alors, Madame Olivier, donc, elle est présidente du comité exécutif à la Ville de Montréal. Donc, elle a annoncé qu'il y aurait une grande refonte de la fiscalité. Donc, trouver des nouvelles sources de financement de la part de la ville-centre, mais deux, une refonte du financement des arrondissements. Donc, sur la table à travailler, de travail, il y a un plan qui va s'élaborer, qui va élaborer des nouveaux critères qui vont donc déterminer le financement des arrondissements. C'est un moment très, très important pour l'arrondissement parce que ça va déterminer le financement pour les prochaines années. Je suis devant, en train de me faire valoir les besoins d'Outremont. D'ailleurs, ce soir, nous avons notre motion d'urgence pour financer l'entretien des arbres. Mais plus généralement, j'ai des demandes avec de rencontres avec Monsieur Dufort, par exemple, avec Madame Olivier que je vais rencontrer. Donc, pour faire valoir quels sont nos besoins qui sont insuffisants et comment trouver des façons pour augmenter le financement de la part de la ville-centre. Vous avez raison de dire que, par exemple, l'augmentation du secteur 1000 engendre 13 % de territoires supplémentaires et beaucoup plus en termes de population. Donc, il faut bien servir les populations. Il y a des nouveaux critères qui vont être inclus. Moi, ce que je veux faire valoir, c'est que les citoyens d'Outremont ont le droit d'avoir les mêmes services et les mêmes qualités de services que d'autres arrondissements. Et dans les nouveaux critères qui vont être choisis, il est hors de question de toucher à ça. Les villes existent pour offrir des services aux citoyens. Donc, il faut qu'on s'assure que Outremont ait assez d'argent pour offrir les services de qualité dont les citoyens d'Outremont et citoyennes ont besoin. Donc, je suis en train de faire une analyse. J'ai demandé une analyse interne avec des métriques qu'on va pouvoir faire valoir auprès de la ville-centre. Un élément qu'il faut considérer ici à Outremont, c'est que notre assiette fiscale que nous envoyons à la ville-centre est autour de 50 millions de dollars. Plus. Nous en recevons de la ville-centre 10 millions. Donc, il y a un écart de 40 millions. Bon, il faut ajuster pour des services que la ville-centre nous rend, là, donc ce n'est pas juste de simplement utiliser ces chiffres. Mais je pense que les Outremontais sont confortable à payer pour les services, payer plus qu'ils ne reçoivent à la ville-centre. Je pense qu'on est tous solidaires. On est Montréalais, on est solidaires de gens qui n'ont pas les moyens que nous avons ici à Outremont. Donc, je pense que le débat n'est pas là. Mais par contre, le débat, il est un qu'on puisse pouvoir offrir les services de qualité, de un. Puis de deux, c'est qu'il faut regarder notre contexte. Nous sommes à côté de Ville-Mont-Royal, une ville qui est indépendante, liée maintenant. Nous sommes comparés souvent, les gens décident d'habiter soit à Westmount, souvent, ou à Outremont, ou Ville-Mont-Royal. Donc, dans les décisions, quand les gens prennent des décisions, bien, ils vont évidemment regarder la qualité des services. Et ce que je veux faire valoir à la ville-centre, c'est que notre assiette fiscale, si on veut la maintenir, si la ville-centre veut la maintenir, et je pense que oui, si on veut que notre assiette fiscale, donc qui dépend de la valeur de nos maisons, soit forte et continue, bien, il faut s'occuper aussi des services que l'on peut offrir ici aux Outremontais. Donc, c'est dans l'intérêt de la ville-centre de nous permettre d'offrir des services de qualité. Et ce sont les discussions que je vais avoir avec les gens de la ville-centre que j'ai nommés. Donc, voilà. Ils vont la réforme sur le financement va se faire
dans cette année et l'année prochaine, je ne sais pas encore quand est-ce que ça va être effectif, mais c'est certain que je serai au combat en train de faire valoir les intérêts des gens d'Outremont. Voilà, merci. Bon, alors, je voudrais dire que c'est une question qui est fondamentale pour Outremont, parce que sinon Outremont va continuer à se dégrader. Et personnellement, je suis prêt à contribuer à cette analyse. Je crois que moi et d'autres citoyens aussi seraient en mesure d'aider, à, par exemple, analyser les statistiques, faire valoir des points que peut-être vous, personnellement, vous n'avez pas le temps ou les ressources pour approfondir, mais j'offre ma contribution à ça. C'est peut-être pas une mauvaise idée. On crée des comités pour d'autres dossiers. Donc, le dossier du financement, c'est quand même important. Donc, j'en prends en note. J'en prends bonne note. Merci beaucoup. Donc, la dernière question que nous avons aujourd'hui pour les personnes qui sont ici présentes en personne, donc c'est pour Céline Forget. Bonsoir. Bonsoir. Le droit à la liberté d'expression ne doit pas être menacé dans cette salle du Conseil. À moins d'être diffamatoire, les opinions et les informations doivent pouvoir être exprimées librement. À la dernière séance, Valérie Patrault vous a interpellé pour m'interdire de parler du jugement du Tribunal des droits de la personne qui reconnaissait qu'elle, ainsi que les Polak, Tomlinson et Maginy, ont usé de discrimination dans leurs fonctions envers un citoyen d'Outremont. Je mentionnais être déçue de les voir assises au Conseil, malgré cet important jugement. L'intérêt public de cette information ne laisse aucun doute. Monsieur Desbois, pouvez-vous nous assurer que vous allez défendre ce droit fondamental et démocratique de la liberté d'expression lors des séances du Conseil? Merci pour votre question. Donc, la liberté d'expression, effectivement, est fondamentale et immuable, si on veut, ici, au Canada. Donc, je serai toujours un défenseur de la liberté d'expression. Ceci dit, tant que c'est fait d'une façon, que c'est exprimé d'une façon respectueuse, courtoise et civile, je pense que c'est ça qui est important, c'est ça qui est à souligner. Puis pour le reste, ben, nous, on est là pour répondre à des questions des citoyens. Une question principale, une question complémentaire. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Donc, merci beaucoup. Merci. Donc, voilà pour les questions en présence. Donc, nous allons passer maintenant aux questions en ligne. Je pense que nous en avons une vingtaine. Donc, on va commencer avec... Madame Marie-Claude Quintal. Oui, le sujet propreté des parterres avant des maisons. La question, j'aimerais savoir ce que le Conseil entend faire pour faire en sorte que les parterres avant de certaines rues d'Outremont ne ressemblent pas à un dépotoir à ciel ouvert, exemple la rue Kerb entre la rue Van Horn et Bernard. Bien, nous avons déjà des mesures, un processus qui est en place. Donc, nos inspecteurs veillent à l'application du règlement, bon, c'est AO 118, là, dont vous faites référence, ça encadre la propreté sur les terrains privés. Donc, lorsqu'il y a des signalements ou des observations qui sont faites, qui contreviennent ce règlement-là, nos inspecteurs vont émettre des avis, des constats. Donc, c'est le processus qui est déjà en place. Merci. Mais en fait, j'ajouterais, que c'est toujours, il y en a beaucoup, on a 30 000 yeux, en fait, on a 30 000 paires d'yeux ici à Outremont, là, donc chacun remarque la propreté ou le manque de propreté, ou en fait, différents enjeux qui peuvent se passer dans leur coin de rue, dans leur tronçon. Donc, il y a les signalements sur le 311, mais il y a aussi l'application, je voudrais le répéter, parce que moi, je le trouve particulièrement efficace, c'est l'application Montréal Service.
qui est une application dans le App Store que vous pouvez utiliser. C'est très efficace parce que vous n'avez pas à écrire de courriel, vous n'avez pas à écrire de texte. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer, par exemple, sur « Propriétés » et prendre une photo. C'est géolocalisé, vous l'envoyez. C'est directement envoyé ici, dans l'arrondissement. On n'a pas besoin de rentrer manuellement un numéro de commande ou de signalement. Et c'est traité beaucoup plus rapidement de cette façon-là. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à utiliser cette application. Ça va nous aider. Merci. Question de Liane Fairweather, sujet jardin communautaire. La question, je suis très intéressée par un jardin communautaire dans mon secteur, car les jardins du plateau Myland à côté de nous ont une liste d'attente de 7 à 10 ans. Ils sont très populaires et bons pour l'environnement. Est-ce qu'il y a un plan déjà pour avoir les jardins à Outremont? Sinon, je pense qu'il faut avoir un ou deux jardins communautaires ici. Bien, merci beaucoup pour votre question. Je vais, pour cette question des jardins communautaires, puisque Mme Brown, on a... travailler sur ce dossier en particulier. Je vais laisser Mme Ronde répondre à la question. Oui, alors, pour faire ça simple, il y a des jardins communautaires qui ont été relocalisés de manière temporaire aux alentours de l'Université de Montréal dans le Nouvel Outremont. Donc, il y a une cinquantaine de jardinets qui datent là, depuis, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais au moins les années 90 ou 70. Et puis, à moyen terme, il va falloir qu'on les relocalise parce qu'on est là de manière temporaire. Là, pour l'instant, on négocie avec l'Université de Montréal qui nous ont donné un petit laps de temps pour se retourner de bord. Mais bref, si vous voulez bénéficier de ces jardins-là, vous pouvez appeler à l'arrondissement pour vous mettre sur la liste d'attente. Il y a aussi des jardins collectifs. Vous pouvez peut-être contacter l'organisme Outremont Famille, voir s'il y a une possibilité de s'impliquer à ce niveau-là. Je pense que pour l'instant, ce serait le plus simple. Donc, les coordonnées de l'organisme se trouvent sur Internet et les coordonnées de l'arrondissement également. Je pense que ce serait le plus simple pour l'instant. Parfait, merci. Donc, prochaine question. Question de M. Sylvain Cardinet. Depuis près d'un an, la réglementation impose l'utilisation de bacs à ordures pour le dépôt des déchets ménagers. Il s'agit, selon moi, d'une avancée sur le principe, bravo, mais dont la mise en œuvre jusqu'ici a tout un effet net négatif en pratique. Et pour cause, cette réglementation ne semble pas s'être accompagnée des éléments dissuasifs permettant d'éviter de nombreux abus. En particulier, je constate que certains accumulent leurs ordures dans les bacs laissés sur la voie publique. Le résultat est que même si les animaux semblent avoir plus de difficultés à accéder aux ordures, les ruelles sont moins salubres qu'avant car elles sont encombrées de bacs dans lesquels s'accumulent les déchets toute la semaine. Des plaintes de citoyens, photos et adresses à l'appui sont laissées depuis des mois au 3-1 sans que cela ne semble avoir le moindre effet. Concrètement, quelles actions supplémentaires vont être menées pour que les ruelles redeviennent au moins aussi propres qu'avant? Donc, je vais effectivement, donc il y a des citoyens qui ne respectent pas le règlement. Là, c'est donc le RM 1649 que nous avons passé l'année dernière, je crois, qui oblige les bacs à être retirés avant 22 heures. En ce qui concerne les bacs qui sont là, nous avons un processus. Je vais demander à Jean-François Meloche de résumer le processus pour les signalements et pour s'occuper de ce dossier-là. Oui, si vous me le permettez, M. Maire, je passerai peut-être la parole à Mme Poitras qui est dans son équipe, dans le fond, gère tout l'aspect de la collecte des matières résiduelles. Parfait. Mme Poitras. Oui, bon, bonsoir. Effectivement, on a notre inspecteur hier soir, et puis les bacs qui ne sont pas rentrés, ils vont faire l'objet d'un constat. C'est ça, il ne marche pas automatiquement. Hein. Les bacs qui sont laissés sur place aussi, quand ça traîne trop longtemps, on les ramasse et les gens qui doivent s'adresser à l'arrondissement pour les récupérer. Donc, c'est la façon qu'on a trouvé là, de... Notre inspecteur, il arpente le territoire, il est vraiment, vraiment constamment sur le terrain. Et il arpente en boucle, il n'arrête pas, puis il émet des constats au besoin. Merci, Mme Poitras. Donc, nous allons passer à la prochaine question. Question de Mme Potvin. Le sujet, les panneaux d'interdiction de stationnement. La question, j'ai une contravention pour m'être garé à un endroit où il n'y a aucune interdiction de stationnement côté nord de la rue Lajoie entre les rues Outremont et Wiseman. Pourquoi n'y a-t-il pas de panneaux? Donc, une autre Mme Potvin. C'est votre sœur jumelle? Il y en a beaucoup. Oui. Bon.
Écoutez, je pense que quelqu'un de l'arrondissement devrait vous contacter. On a vos coordonnées pour étudier ce mystère-là et donc rectifier s'il y a des choses à rectifier. Donc, M. Meloche, on prend note. Merci. Question de Mme Viviane Laving. Le sujet fermeture de la rue de l'Art entre La Joie et Van Orne. Bonjour. Avec l'arrivée du printemps, j'anticipe la fermeture à la circulation automobile de la rue de l'Art entre La Joie et Van Orne. La configuration des dépassés qui laissait un tronçon disponible à la circulation automobile sur de l'Art près de La Joie condensait la circulation et le risque pour les piétons sur ce tronçon. Les parents de l'école Stanislas utilisaient la rue aux abords de l'école Guy Drummond comme débarcadère en restant stationnés parfois longtemps, puis pouvaient marcher et jouer sans risque sur la portion vis-à-vis de Stanislas. Les élèves de Guy Drummond subissent une augmentation du risque causé par la présence accrue de voitures sur ce tronçon sans aucun avantage. Outre le risque d'accident, l'avantage accordé aux enfants d'une école privée par rapport à ceux de l'école publique me semble créer une dynamique sociale malsaine pour la cohabitation de ces familles. Il serait plus équitable de fermer la voie nord sur toute la longueur La Joie Van Orne. Merci, Mme Laving, pour votre question. Puisque Mme Braun a porté le dossier de la sécurité autour de l'école Guy Drummond, je vais demander à Mme, je vais céder la parole à Mme Braun. C'est effectivement, on a eu beaucoup de rencontres avec le comité mobilité et sécurité ainsi que les responsables de l'arrondissement en sécurité et la direction de différentes écoles, mais dont de l'école Guy Drummond. Et il a été porté à notre attention que la configuration, la fermeture de l'avenue Dollard causait un grave préjudice au niveau de la sécurité. C'est d'ailleurs la raison pourquoi le dossier a été retiré du conseil aujourd'hui. L'équipe est actuellement en train de travailler avec l'école pour pouvoir mieux sécuriser la fermeture de la rue. Donc, c'est la raison pourquoi ça a été enlevé. C'est vraiment parce que on en fait une priorité pour nous, la sécurité des écoliers. Donc, c'est la raison pourquoi, mais il va revenir dès que le dossier va être prêt. On l'espère au conseil de juin. Merci, Mme Brand. Donc, pour la prochaine question. Madame Rani Cruz, le sujet piste cyclable. La question, nous sommes en mai, aucune piste cyclable n'est prête pour la saison. Pas de bollard pour sécuriser les pistes. Les pistes sont très sales et viennent à peine d'être dégagées des branches de la tempête. Aucune nouvelle piste annoncée cette année. Aucune amélioration de la piste La Joie. Cela fait maintenant 2 ans que vous ne faites rien alors que vous aviez dit lors de votre arrivée que c'était une priorité. Que faites-vous, M. Desbois, pour le transport à vélo? Quand allons-nous voir du concret et pas juste de belles paroles? Merci, Mme Cruz, pour votre question. Donc, effectivement, les bollards sur les pistes cyclables ont été retardés cette année. Vous comprendrez pourquoi. Tout le col bleu était occupé à ramasser les branches, à les déchiqueter. Donc, il y a à peu près 2 semaines de retard. Donc, ça va être arrangé dès que possible. En ce qui concerne les pistes cyclables, je pense que je l'ai répété assez de fois depuis 1 an et demi. Donc, nous travaillons sur des projets pilotes pour cet été. Donc, ce ne sera pas une piste cyclable comme telle, ça va être des voies désignées, mais qui va permettre aux cyclistes de circuler à partir de l'ouest de l'arrondissement jusqu'au bout est et un peu du nord au sud. Donc, on va établir ce projet pilote pour cet été, qui va nous permettre de collecter des données et de tester les eaux, si on veut, mais d'une façon plus permanente. J'ai annoncé ce soir que nous octroyons le contrat de plan directeur sur la mobilité durable qui va nous aider à collecter les données, à faire des recommandations sur les aménagements de rue, mais aussi, bien sûr, sur un réseau de pistes cyclables locales ici à Outremont. Donc, nous attendons ces recommandations cet automne et nous pourrons agir par la suite. Donc, nous attendons les données avant d'agir. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Merci. Question de Mme Diane Shea. Le sujet, la propreté dans l'arrondissement. La question, M. Desbois, la propreté dans l'arrondissement n'est toujours pas réglée. Quand on appelle au 31 pour signaler des sacs qui traînent et que des animaux ont ouvert dans la ruelle d'Outremont, ça prend des semaines avant que ce soit nettoyé. On voit maintenant des rats dans la ruelle. Quand allez-vous améliorer le suivi des plaintes pour que les problèmes soient corrigés plus rapidement? Merci, Mme Shea, pour votre question. Donc, comme je l'ai mentionné l'année dernière, nous avons augmenté le budget pour la propreté. On a augmenté le nombre de cols bleus. On a augmenté le matériel roulant. Et cette année aussi, on continue à le faire. Encore une fois, nos cols bleus ont été très occupés par les branches qu'il fallait déchiqueter et ramasser. Donc, mais maintenant que cette mauvaise expérience se termine, nous allons pouvoir amener des cols bleus vers leur mission, dont la propreté.
Et les inspecteurs aussi vont pouvoir continuer à inspecter et à émettre des constats quand c'est nécessaire. Donc, les appels au 3-1, c'est une chose. Encore une fois, j'encourage les citoyens et citoyennes d'utiliser l'application Montréal Service pour signaler des manques de propreté. C'est la façon la plus efficace, la moins coûteuse en temps et en personne humaine, si on veut, et intervention humaine. Donc, ça va pouvoir nous aider là, pour cibler les endroits où il y a des manques de propriété et faire le travail qu'on doit faire, c'est-à-dire ramasser et envoyer un inspecteur qui pourra éventuellement émettre un constat. Merci. Question de Micheline Maranda, le sujet 1140 Lajoie. La question au sujet du 1140 Lajoie, ce bâtiment qui a été défiguré par des travaux sans permis. La réponse qui a été donnée au dernier conseil m'a quelque peu inquiétée, car cela pouvait donner l'impression que le propriétaire de l'immeuble pourrait régulariser sa situation illégale en présentant une demande de permis. Pouvez-vous confirmer ce soir la volonté de l'arrondissement de prendre les démarches nécessaires pour que cet immeuble retrouve sa façade d'origine? Et si oui, pouvez-vous décrire les prochaines étapes pour y arriver? Donc absolument, nous allons continuer nos démarches qui sont nécessaires pour retrouver sa façade. Je pense que c'est très important de faire respecter les règlements, donc nous allons poursuivre. Évidemment, il faut ramasser de la preuve et ce dossier est présentement en traitement. Donc, mais soyez assurés que nous allons continuer à tout mettre en place là, pour s'assurer que nos bâtiments respectent le code, enfin l'aspect d'origine, si on veut. Voilà, merci. Question de M. Philippe Gravel, sujet Parc Mali. La question, Mme Patrou, Mme Pollack, allez-vous participer à la manifestation du 15 mai à l'Hôtel de Ville de Montréal, organisée par l'Association du Parc canin d'Outremont pour le maintien intégral de ce parc essentiel à notre communauté? Merci pour la question. Donc, je peux passer la parole à Mme Patrou, Pollack, si elle désire. Oui, donc, merci pour la question, M. Gravel. Nous n'avons pas reçu l'invitation. Donc, on verra. Je pense qu'elle course dans les réseaux sociaux, mais bon. Donc, on va passer à la prochaine question. Oui, la question de David Desbaillets, le sujet Vivre ensemble. La question, Mme Potvin, vous êtes élue assignée à la culture et vous dites en faveur du Vivre ensemble, mais vous avez brillé par votre absence lors de l'inauguration de l'exposition Un monde ravivé qui permet de bâtir des ponts entre les communautés. Pouvez-vous nous dire ce qui était plus important que d'être présente à cet important événement outremontais? Oui, bonsoir, Dr. David Desbaillets. Écoutez, j'étais absente parce que j'avais un rendez-vous important, personnel, et je ne pouvais pas arriver à temps pour l'inauguration de cette galerie d'art, de cette belle exposition qui va être là pendant encore 2 semaines, je crois, ou 3 semaines à la ville, ici à Outremont, que je vais voir. Et également, après, quand je suis revenue, j'avais 4 heures de réunion à Outremont. Il m'était impossible d'assister à cette exposition, l'ouverture. J'aurais bien aimé voir ces tableaux-là, mais je vais les voir parce que je crois que ça se termine vers le 28 mai, c'est la fin. Donc, je vais assister à ce moment-là. Voilà. Merci. Donc, on va passer à la prochaine question. La question de M. Axel Bergman. Le sujet carboneutralité, la question, lors de votre campagne électorale en 2021, M. Desbois, vous vous étiez engagé à atteindre la carboneutralité en 2045. Or, il semble que vous ayez reculé sur cet objectif. La consultation publique annoncée pour le 28 mai prochain a pour objectif la carboneutralité en 2050. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous reculez sur cet objectif important? Était-ce juste un mensonge électoral, juste pour vous faire élire? Donc, dans le respect, je pense qu'il ne faut pas prêter d'intention aux personnes. Donc, c'est un rappel que lorsqu'on pose une question, on le fait respectueusement. Sur l'engagement de carboneutralité en 2045, c'était effectivement l'engagement que nous avions pris comme parti politique ensemble Montréal. Et malheureusement, notre candidat à la mairie a perdu. C'est Mme Plante qui a gagné. Et qui promet la carboneutralité maintenant en 2050 et non pas en 2045 comme nous proposions. Donc voilà l'explication. Tout simplement, il faut s'enligner avec la politique de la ville. On n'est pas une île qui faisons nos affaires tout seul. Donc c'est la raison pourquoi il y a une différence entre le 2045 et le 2050. Merci. Question de Mme Barbel Knauper.
Le sujet point 40.16 à l'ordre du jour d'aujourd'hui. La question au point 40.16 de l'ordre du jour d'aujourd'hui, il est indiqué que pour le côté ouest du Rocher entre Fairmont et Saint-Viateur, stationnement prohibé en tout temps. Toutefois, il faut ajouter que le stationnement est autorisé pendant la période de nettoyage des rues, c'est-à-dire que la phrase doit dire « stationnement prohibé en tout temps, excepté de 13h à 15h le lundi du 1er avril au 30 novembre ». Ce règlement est adopté le 4 juillet 2022, point 40.07 du dossier 12-25-06-90-10. Pouvez-vous, s'il vous plaît, apporter cette correction avant l'adoption de ce règlement? Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour votre question. Je dois dire que vous avez un œil de lynx parce qu'effectivement, vous avez raison. Et donc, nous ajoutons ce soir ce que vous proposez. Ce sera ajouté dans le règlement. Donc, on va s'en occuper et ce sera bien fait. Merci. Madame France Poulin, le sujet droits fondamentaux. La question, Madame Pollack, est-ce que vous considérez le fait de pouvoir se présenter à une élection sans crainte de représailles constitue un droit fondamental en démocratie? Donc, la question m'est adressée encore une fois et je laisse Madame Pollack, si elle veut répondre. J'ai pas de commentaire, merci. D'accord, donc on passe à la prochaine question. La question de Mme Shannon Babcock, le sujet arbres dans le parc Irma-Lavasseur. Bonjour, j'étais étonnée d'apprendre que les arbres matures dans le parc Irma-Lavasseur vont être coupés. Et encore pire, on va les faire couper pour faire de la place pour un stationnement. Aviez-vous vraiment demandé à remplacer les arbres du parc Irma-Lavasseur par un stationnement? Souhaitez-vous vraiment faire couper les arbres matures dans ce secteur pour du stationnement alors que ce secteur manque d'arbres? On a déjà perdu beaucoup d'arbres matures dans ce secteur. En plus, l'autosolo n'est plus la solution à la mobilité en 2023. De perdre des arbres pour faire place aux autosolos, c'est encore pire. Pouvez-vous vous engager à reculer sur votre demande et à ne plus couper des arbres matures du parc Irma-Lavasseur? Merci pour votre question, mais je dois juste mettre les pendules à l'heure. Donc, nous n'avons pas demandé à remplacer, à couper des arbres. Le secteur est en train d'être déminéralisé. Et il y a seulement trois arbres qui sont en jeu. Là, on ne parle pas de plusieurs arbres, là, on parle de trois arbres. Deux arbres sont en fin de vie, sont malades, donc ils vont être coupés pour d'autres raisons. Mais ils vont profiter de la déminéralisation pour couper les arbres. L'autre arbre, il reste un arbre. La question du stationnement, ça a été discuté amplement par l'administration précédente et même peut-être avant. Juste faire un rappel que il y avait une étude qui avait été faite en 2016 qui disait que le CCI avait besoin d'à peu près 150 places de stationnement pour subvenir à ses besoins. Nous avons en ce moment 89 places de stationnement et nous allons les couper à 50 places. Donc, clairement, il va y avoir un enjeu. Et on espère que les gens vont profiter du transport en commun ou de mobilité, d'autres types de mobilité pour se rendre au CCI. L'emplacement du stationnement n'est pas encore déterminé. Tout ça, c'est orchestré par la ville-centre. Je pense que les discussions vont se poursuivre, tout simplement. Merci. Question de Mme Jill Lenz, le sujet parking. La question, M. Desbois, nous avons appris que vous avez demandé que le parc Irma-Lavasseur soit rasé pour créer un aire de stationnement. Notez le stationnement adjacent au CCI, la présence d'un autre aire de stationnement municipal à Ducharme-Stuart, qui est à 1 ou 2 minutes de marche du CCI, une distance qui pourrait être réduite davantage si le nouveau design du parc incorpore un sentier diagonal reliant cet endroit au CCI. Nous ne voyons pas d'excuses valables pour couper des arbres matures afin de créer plus d'espace de parking. Nous sommes choqués que nos élus aient proposé de détruire un espace vert existant au profit d'un parking en surface. Nous vous demandons de reconsidérer cette position et de consacrer vos efforts à la promotion des modes de transport actifs et en commun à Outremont. Rappelez-nous les dates, quand il y aura lieu la consultation publique pour ce parc et comment vous vous assurez que les Outremontais soient informés et puissent participer pleinement. Merci, Mme Lantz, pour votre question. Donc, c'est relié à la question précédente, mais ça va me permettre encore une fois de mettre les pendules à l'heure. Donc, nous n'avons pas demandé que le parc Irma-Lavasseur soit rasé. Il faut quand même être exact là, dans les faits. Comme j'ai mentionné, il y a effectivement un stationnement pour le CCI qui va être placé. Il n'est pas encore déterminé le lieu. Et comme je mentionnais tout à l'heure, potentiellement un arbre qui est en jeu. Là, donc, on ne parle pas de raser. Faites à noter aussi
c'est que nous avons demandé que le stationnement soit, comment dire, qu'il soit réversible. C'est-à-dire que si on peut réduire les cases de stationnement disponibles, on va le faire. Donc, c'est prévu déjà dans la conception du stationnement que ce soit réversible. Donc ici, parce que je suis en train de lire votre question, là, je vais être sûr de répondre à tous les éléments de votre question. Donc effectivement, vous nous demandez de consacrer nos efforts à la promotion des modes de transport actifs et en commun autrement. Je pense que c'est exactement ce qu'on fait, en particulier avec notre plan directeur que nous lançons, avec nos pistes cyclables en projet pilote cet été. Donc, je pense que les messages que j'envoie et les actions que nous prenons démontrent que nous allons tout à fait dans la voie de la mobilité durable et sécuritaire. Et en ce qui concerne la date de la consultation publique, à ma connaissance, il n'y a pas de consultation publique. Ce qu'il va y avoir, c'est des ateliers de co-création. Donc, il y a quand même une différence entre des consultations publiques et des ateliers de co-création pour l'aménagement du parc Irma Levasseur, mais c'est prévu le 14 juin. Je n'ai pas les heures, je ne sais pas si quelqu'un les a, mais en tout cas, on pourra les fournir sur notre site de l'arrondissement. Donc, c'est le 14 juin, si vous voulez participer à des ateliers de co-création. On vous invite, bien sûr, comme à tous les citoyennes et citoyennes d'Outremont. Merci. Question de Tania Gianellia. Le sujet sécurité routière, la question. Depuis la mi-décembre, je suis présente à l'intersection de l'Art La Joie le mardi matin de 7h45 à 8h15 pour manifester pour la sécurité des enfants à cette intersection. Cela me donne une belle visibilité sur les différents comportements des usagers de la route. Notamment, je constate qu'il y a plusieurs infractions de la route qui y sont commises. Non-respect de l'arrêt, immobilisation dans la traverse, piétonne, virage en U non sécuritaire, non-respect de la priorité des piétons, conduite en sens inverse du trafic pendant plus de 100 mètres, et j'en passe. Je remarque aussi très souvent la présence des policiers et des agents de la sécurité publique. Ce que je ne remarque pas, cependant, c'est l'émission d'amende aux conducteurs qui commentent ces infractions. Sachant que cette intersection est particulièrement dangereuse et qu'il y a de nombreuses infractions et que la police est souvent affectée dans le quartier, qu'attendent-ils de faire respecter la loi, pour faire respecter la loi? Merci. Donc, à notre connaissance, effectivement, donc la police, la SPVM, est présente régulièrement au coin de l'Art La Joie et émet des constats, émet des amendes, des contraventions. Mais nous allons les rencontrer, nous les rencontrerons de toute façon régulièrement. Nous allons réitérer notre demande d'être quand même assez sévère de ce côté-là et de porter une attention particulière. Et aussi, nous allons leur demander aussi le nombre de constats qu'ils ont émis pour connaître un peu l'ampleur de l'enjeu. Merci. Monsieur le maire, je vais passer à la deuxième question de Mme Gianellia pour passer à la question 18 de M. Nicolas Saunier. Le sujet infrastructure cyclable, la question, j'aimerais savoir quand l'arrondissement va s'occuper, de remettre à niveau le peu d'infrastructures cyclables existant Outremont, peinture et volants sur Stuart, La Joie et Outremont, et deux, planifier de vraies pistes cyclables physiquement protégées par du béton à l'année, offrant des axes structurants nord-sud et est-ouest sur Bernard ou parallèle à Bernard. Si on interdit le passage des cyclistes sur l'avenue Bernard piétonnisée, à la différence des autres arrondissements montréalais qui ont pris acte des études scientifiques montrant l'absence de risque majeur, il faut offrir une infrastructure alternative de qualité. Bien, merci, M. Saunier, pour votre question. Donc, je vais commencer par l'avenue Bernard. Nous n'interdisons pas le passage des cyclistes sur l'avenue Bernard. Nous demandons simplement sur les trois blocs, si on veut, là, les trois tronçons, que les cyclistes débarquent et marchent à côté de leur vélo. Alors, la raison pourquoi on demande ça, je ne connais pas les autres rues piétonnes, mais je sais qu'à Outremont, il y a beaucoup d'aînés, il y a beaucoup de familles avec des jeunes enfants. Et je ne peux pas compter le nombre de fois que nous avons été interpellés l'année dernière par des aînés ou par des pères ou des mères de famille, qui des enfants qui jouent à terre et qui donc peuvent courir d'un côté ou de l'autre d'une façon imprévue. On connaît les enfants. Donc c'est pour ça simplement qu'on demande de marcher à côté de son vélo. On veut toujours, c'est toujours dans l'esprit de protéger les plus vulnérables. Et je pense que sur les tronçons, la rue piétonne sur Bernard, on peut s'entendre que les plus vulnérables, ce sont les aînés, ce sont les enfants. Donc, voilà pourquoi on demande tout simplement de marcher à côté des vélos.
En ce qui concerne le peu d'infrastructures cyclables, vous avez raison, là, il y a un manque à Outremont. Nous essayons, dans notre mandat, de corriger ce manque. Et donc, comme j'ai mentionné, les bollards ont été retardés pour des raisons du verglas. Mais nous allons, cet été, installer des voies désignées pour les cyclistes sans projet pilote. Donc, simplement, c'est un essai. Et lorsque nous aurons les conclusions de notre plan directeur de mobilité durable, qui recommandera un réseau de pistes cyclables locales, bien, on va mettre en place un réseau de pistes cyclables locales. Donc, on est très excités par ce projet et bien hâte d'avancer dans ce dossier. Merci beaucoup, M. Sonné, pour votre question. Monsieur le maire, avant de poursuivre, on doit prolonger la période de questions. Je propose. Et j'appuie. C'est unanime, je suppose. Ah oui, donc Madame Podin. Oui, j'appuie. Madame Pollack. Et moi aussi. Donc, la question de Monsieur Yannick Bugeaud, le sujet racisme à Outremont. La question, lors du dernier conseil d'arrondissement, Madame Patrois a posé plusieurs questions sur le racisme à Outremont. Monsieur Desbois, vous n'avez répondu à aucune de ces questions. Pourtant, le racisme est un enjeu important à Outremont. Dans ce contexte, je soutiens la motion de Mme Pollack qui propose d'ajouter au conseil d'arrondissement une période de questions des élus, de façon à ce que vous preniez le temps d'y répondre et non pas de les esquiver dans le format actuel du conseil. On se rappelle déjà que vous avez limité le temps de parole des élus, refusé de répondre à leurs questions. Ça commence à faire beaucoup. Pourquoi ne répondez-vous pas aux questions, M. Desbois? Allez-vous voter en faveur de la motion de Mme Pollack? La démocratie et la transparence demandent du respect. Je pense que j'ai... Merci, M. Bugeaud, pour votre question. Je pense qu'on est tous d'accord que la démocratie, la transparence demandent du respect et de l'ouverture et un engagement. Donc, je ne sais pas à quoi vous faites référence lorsque vous dites que je ne réponds pas aux questions. Je pense que je suis quelqu'un d'assez transparent. J'essaie de répondre aux questions et j'essaie d'offrir le plus d'informations que nous avons ici en arrondissement. Et donc, en ce qui concerne la motion, ben, nous allons la débattre plus tard. Merci. Prochaine question, madame. Question de madame Josefina Hadès. Le sujet rue Dollard. La question, il n'y a pas assez d'espace pour les piétons sur Dollard pour amener nos enfants à l'école. La fermeture partielle de Dollard au début avril nous a rappelé à quel point ce serait agréable de profiter d'une rue école. À quand une fermeture de Dollard? Ben, merci beaucoup pour votre question. Je vais encore une fois passer la parole à madame Brown qui s'occupe de ce dossier en particulier. Je ne sais pas si vous faites... Bien, merci, Mme Adèle. Je ne sais pas si vous faites référence au projet par l'École Guy Drummond de fermeture de la rue Dollard ou pas. Mais bref, actuellement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des enjeux de sécurité avec la forme actuelle de la fermeture de la rue Dollard. Le projet est retardé pour que l'équipe responsable de la sécurité de l'arrondissement analyse les enjeux qui ont été soulevés par l'École Guy Drummond. Et puis, bien, on espère vraiment, vraiment être capable de fermer la rue, de préparer le projet pour le prochain conseil, c'est-à-dire le conseil de juin. On l'espère, évidemment, bien. Les analyses sont importantes à faire. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura une fermeture de la rue Dollard. Merci. Donc, prochaine question. Question de Frédéric Julien, le sujet conflit d'intérêts. La question, un agent technique de circulation impliqué dans les projets de sécurisation des écoles du quartier occupe également un emploi de courtier dans une agence immobilière d'Outremont. Cet employé a accès à des informations privilégiées qui peuvent avoir un impact matériel sur la valeur des propriétés. Il a également une influence sur les projets privilégiés et l'approbation de mesures de sécurisation. Il y a donc un haut potentiel de conflit d'intérêts. Est-ce que cet emploi a dûment été déclaré et est-ce que cette situation est conforme à ce que l'on peut s'attendre des employés de l'arrondissement? Les défis rencontrés par Outremont dans les dossiers de sécurisation sont importants et l'arrondissement accuse un sérieux retard par rapport à d'autres dans ces dossiers. Considérant que certaines des mesures proposées peuvent ne pas faire l'unanimité auprès des résidents, nous sommes en droit de nous attendre à des employés absents de tout conflit d'intérêts ou de loyauté. Merci, M. Julien. Donc, je prends note de votre question. Je répondrai qu'il y a un code de conduite des employés qui encadre les modalités relatives aux valeurs et comportements pour l'ensemble des employés de la Ville de Montréal. Donc, la situation a été signalée aux instances appropriées. Merci. Question de M. Éric Chauvette. Sujet sécurité autour des écoles. La question, les données probantes disponibles nous indiquent les avantages d'une rue-école sur le plan d'environnement, de la santé publique et du bien-être des enfants. Outremont est un secteur privilégié avec plusieurs écoles qui pourraient en bénéficier. Comment expliquer que ce ne soit pas encore le cas? Merci, M. Chauvette, pour votre question. Donc, comme on a mentionné, la sécurité autour des écoles
est une priorité pour l'arrondissement. Puis je pense que ça fait l'unanimité ici au Conseil. Donc, ce soir, nous avons déjà mis en place des projets pilotes pour la sécurité. Il y en a d'autres qui s'en viennent au mois de mai autour des écoles. Et comme j'ai mentionné, nous octroyons un contrat à la firme Stantec qui va faire les analyses de mobilité, que ce soit en voiture, piéton, vélo, et autour des écoles. Donc, ils vont pouvoir nous soumettre des recommandations d'aménagement de rue pour améliorer la sécurité autour des écoles. Merci. Donc, ça termine la période de questions. Donc, on peut poursuivre avec l'ordre du jour. Oui, au point 10.05, la proposition est à l'effet d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 4 avril 2023 à 19h. Je propose. J'appuie. Madame Potvin. J'appuie. Madame Pollack. Madame Patrou. Je pense qu'il faut que Mme Potvin dise qu'elle est pour, et moi, je suis pour aussi. Je pense que... Est-ce que j'appuie, c'est l'équivalente que je vote oui? Souvent, c'est le terme utilisé par Mme Potvin, donc on comprend qu'elle appuie. On comprend l'intention. Merci. Et je vote pour aussi. 20.01. La proposition est à l'effet d'accorder à Stantec Expert Conseil Limité le contrat pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation d'un plan directeur de mobilité durable et sécuritaire pour l'arrondissement d'Outremont. Ouais, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 343 176 $ et 16 sous, incluant les taxes, conformément au document de l'appel d'offres public 23-19-8-35, un soumissionnaire, d'autoriser une dépense d'un montant de 343 176 $ et 16 sous, incluant les taxes, au consultant Stantec Expert Conseil Limité pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation d'un plan directeur de mobilité durable et sécuritaire pour l'arrondissement d'Outremont, d'autoriser une dépense de 51 476 $ et 42 sous, incluant les taxes à titre de budget de contingence dans le cadre de ce contrat, d'autoriser une dépense de 51 476 $ et 42 sous, incluant les taxes à titre de budget d'incidence dans le cadre de ce contrat, d'autoriser une dépense totale de 446 129 $, incluant les taxes, les contingences et les incidences, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense est entièrement financée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Donc, commentaires, questions? Oui. Oui, j'aimerais prendre la parole parce que c'est, vous l'avez dit, M. Desbois, c'est un projet majeur qui va transformer notre quartier dans les prochaines années sur le long terme. Donc, c'est important. J'ai lu avec beaucoup d'attention les documents qui nous ont été remis aujourd'hui même. Alors, merci, M. Meloche, d'avoir pris le temps de répondre à certaines de mes questions et à Mme Vibert également. Donc, moi, dans ce que je vois actuellement dans le projet proposé et le contrat qu'on doit octroyer aujourd'hui, il y a trois lacunes majeures. Alors, je veux les mentionner ici. Je sais que vous m'avez entendu lors de notre appel cet après-midi, mais je tiens à le mentionner, c'est que actuellement l'arrivée du REM dans Outremont n'est pas prise en compte dans le plan, et c'est important qu'il le soit parce que c'est un changement majeur dans la mobilité de notre quartier, notamment en termes de transit et d'accès au transport collectif. Il y a l'aspect de la sécurisation aux abords des écoles qui n'est pas clairement identifié dans le projet de Stantec. C'est clairement marqué dans le cahier des charges, mais ce n'est pas clairement marqué dans la réponse et le contrat qu'on va octroyer ce soir. Et enfin, tout ce qui est la sécurisation des ruelles, les derniers mois nous ont montré que la sécurisation des ruelles, c'est un point très important pour les familles de l'arrondissement et pour l'ensemble des citoyens et citoyennes. Donc, c'est un troisième point que je pense qu'il est vraiment important de noter et de suivre dans le cadre de ce contrat. Parce qu'on ne veut pas se retrouver dans les prochaines années à avoir raté ces trois points-là. Alors, je préfère le souligner. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? OK, donc juste en droit de réplique ici, donc, c'est important de mentionner que les trois items mentionnés par Mme Patrou vont être traités. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas mentionné explicitement. D'ailleurs, il y en a un qui l'est, là, mais que ce ne le sera pas. Donc, les trois, le REM, effectivement, ça va changer la circulation de transit, j'espère, ça fera une belle différence, mais on verra.
Donc, mais le REM, la sécurisation des écoles et la sécurisation des IRL vont être traités dans ce plan directeur de mobilité durable. Madame Sonia, qui va être en charge de ce projet et de mener ce projet, donc dans les rencontres de travail, si, peut-être vous pouvez, le, peut-être, est-ce que je peux me permettre de prendre, de laisser la parole une minute, juste pour expliquer le processus et comment ces éléments sont intégrés dans le travail. Donc, oui, tout simplement, c'est, on va faire une rencontre de travail avec le consultant. Et c'est lors de la rencontre de travail avec le consultant qu'on va spécifier plus clairement nos exigences. Et aussi, on va détailler le plan de travail complet avec le consultant et les livrables à chacune des étapes clés. Donc, on va pouvoir suivre les résultats là, et pouvoir faire aussi, comme je dis souvent, les arbitrages qui sont nécessaires, puis les corrections au fil du travail. Merci beaucoup. Donc, on va passer au vote. Je pense qu'on était rendu à Mme Patrou. Oui, je suis pour. Et Mme Polak. Pour. Et je suis pour. 20.02, la proposition est à l'effet d'accorder un contrat au montant maximal de 247 003 $ et 9 sous, toute taxe implicable incluse, à l'organisme Outremont Famille pour la période du 15 mai 2023 au 31 décembre 2025 dans le cadre du programme Éco-quartier d'Outremont, d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal, l'arrondissement d'Outremont et l'organisme Outremont Famille établissant les modalités et conditions du contrat de service, d'autoriser le maire et la secrétaire d'arrondissement à signer la convention pour et au nom de l'arrondissement, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. J'appuie. Ah. T'as pas parlé, toi? Moi, je dirais que même, je pense qu'on appuie tous et toutes. À l'unanimité. On va appuyer à l'unanimité, si c'est permis. Donc, s'il y a des commentaires, nous, on est très, très heureux. On est enthousiastes. On est enfin, on va avoir un éco-quartier qui est mené par un organisme qui est très bien connu, qui sert très bien les résidents et résidents d'Outremont. Alors, je peux juste exprimer ma joie. Si je possède d'autres commentaires. Ou... Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis très contente qu'on aille de l'avant et je fais confiance à l'équipe d'Outremont pour d'Outremont Famille pour relever le défi. Merci beaucoup. Bravo. D'accord. Donc, Madame Bond. Oui, peut-être, puisque tout le monde se permet un petit commentaire. Juste pour ceux qui nous écoutent, à ne pas confondre éco-quartier et éco-centre. Ce ne sera pas un endroit pour déposer du gypse et des vieux clous. Merci. Très bon rappel, parce que moi-même, j'avais fait le. Ouais, voilà. Donc, on va passer au vote. Je pense que ça a été... Ben, on est pour. Oui. Oh, ben, c'est ça. Tout le monde, on a voté tout le monde. Parce pour, unanime. C'est ça. Bon, d'accord. Ben, bravo. Merci. Bravo à tout le monde. Bon travail. Donc, au prochain point. 20.03, la proposition est à l'effet d'accorder une contribution financière d'une somme maximale de 4 000 $ toute taxe applicable incluse, à l'organisme à but non lucratif Les Amis de la Place Marcel Ferron dans le cadre de la réalisation de leur programme 2023-2024. D'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal, l'arrondissement d'Outremont et l'organisme à but non lucratif Les Amis de la Place Marcel Ferron, établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution financière, d'autoriser le maire et la secrétaire d'arrondissement à signer la convention pour et au nom de l'arrondissement, d'imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense est entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. J'appuie. Merci. Madame Patron. Pardon, s'il n'y a pas de commentaires ou de questions, on peut passer au vote. Donc, on est... Madame Potvin. Madame Potvin. J'ai voté. J'appuie. D'accord. Vous êtes pour. Madame Polak. Pour. Et je suis pour. 20.04, pardon, je glisse.
20.04, la proposition est à l'effet d'accorder une contribution financière d'une somme maximale de 10 000 $ taux taxes applicables incluses, le cas échéant, à l'organisme à but non lucratif Vision Diversité pour la mise en œuvre d'événements devant se dérouler sur le territoire de l'arrondissement dans le cadre des festivités de la fête nationale, d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal, l'arrondissement d'Outremont et l'organisme à but non lucratif Version Diversité, établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution financière, d'autoriser la chef de Dion Parc, Loisirs et Sports à signer la convention pour et au nom de l'arrondissement, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier additionnel. Cette dépense est entièrement assumée par l'arrondissement. Est-ce que je peux faire un commentaire avant? Je pense qu'il faut proposer, appuyer, appuyer et après ça, le commentaire. Je propose. Et j'appuie. Est-ce que je peux faire un commentaire? Là, maintenant, vous pouvez faire un commentaire, oui. Je voulais juste dire que je suis personnellement très excitée que la fête nationale revienne à Outremont. Ça faisait plusieurs années qu'on n'en avait plus. Je remercie personnellement Mme Poitras. C'est grâce à vous, je pense, que ce projet-là est sur les rails et c'est très, très excitant. Ça va avoir lieu le 23 et le 24 juin. C'est tout ce que je voulais dire. Et c'est aussi un organisme de l'arrondissement qui s'occupe de cette fête-là, en partenariat avec l'arrondissement. Je dirais que je partage l'enthousiasme. C'est le grand retour de la fête nationale et je pense que il y en a quelques, je revois quelques visages ici avec qui probablement j'ai fêté la fête nationale il y a quelques années, donc il y a plusieurs décennies peut-être même. Donc en tout cas, c'est le grand retour, on est bien content. On va passer au vote. Donc Madame Patro. Madame Brown. Madame Paulvin. J'ai proposé. Appuyé par Monsieur Desbois. Oui, c'est vrai. Donc c'est à Madame. J'appuie. Donc, Madame Patro. Je suis pour. Et Madame Podak. Pour. Donc, c'est unanime. 20.05. La proposition est à l'effet d'approuver la quatrième convention de modification du bail entre l'arrondissement et le Centre de la petite enfance Frisson de Colline, par laquelle nous louons pour une période de 12 mois à compter du 15 avril 2023 un espace de 5 282 pieds carrés au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 1435 avenue Van Horn pour un loyer annuel de 97 956,89 $ plus les taxes applicables, d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Je propose. J'appuie. Pardon, s'il n'y a pas de questions ou commentaires, Mme Patro. Je suis pour. Mme Polak. Pour. Et je suis pour. Si je veux me permettre, Maître Desjardins, on approche les deux heures. Peut-être qu'on va. Je vais demander une pause de 5 minutes. Oui. Donc, jusqu'à. Si on veut bien, jusqu'à. On va reprendre à 21 heures pile, juste pour permettre à tout le monde. 10 minutes. C'est ça, de. 5 minutes. Pause santé, comme on dit. Donc, jusqu'à 21 heures.
séance. Donc, est-ce que la technique, vous êtes bon? Excellent. Alors, on reprend la séance. On est désolé du contretemps et des délais. Nous allons reprendre et je donne la parole à Maître Desjardins. Oui, point 30.01, la proposition est à l'effet d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de l'arrondissement d'Outremont à l'Association internationale des villes amies de la marionnette à Viamma pour l'année 2023, d'autoriser à cette fin le paiement de la cotisation annuelle de 1 167 € exempt de taxes, soit environ 1 693 $ selon le taux de change en vigueur, d'autoriser le service des finances à effectuer le paiement par virement bancaire de 1 167 € exempt de taxes, soit environ 1 693 $ selon le taux de change en vigueur, et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense est entièrement financée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. On passe au vote. Ou à moins qu'il y ait de commentaires, Mme Patro. Pour. 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 30.02. La proposition est à l'effet d'affecter un montant total maximal de 85 000 $ taxes nettes à même le surplus libre de l'arrondissement pour la réalisation des opérations de marquage de la chaussée dans l'arrondissement d'Outremont, d'autoriser les fonctionnaires autorisés à approuver toute dépense et à octroyer tout contrat lié à ce projet, se conformément au règlement sur la délégation de pouvoir, à certains fonctionnaires de l'arrondissement, et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. On passe au vote, Mme Patro. Pour. Pour. Et je suis pour. 30.03, dépôt du rapport des décisions déléguées pour le mois de mars 2023. 30.04, dépôt de la liste des bons de commande et des paiements sans bons de commande pour le mois de mars 2023. 30.05, dépôt de la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit pour le mois de mars 2023. 30.06, dépôt de la liste des firmes de crédit pour le mois de mars 2023. 40.01, c'est un avis de motion. Micro. Conformément à l'article 356 de la loi des cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement est utilisé. Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement sera adopté au cours des prochaines séances, d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à ajouter des arrêts obligatoires sur l'avenue Thérèse Lavoreau à l'intersection de l'avenue Champagneur prévue à l'annexe A1 du règlement relatif à la circulation et au stationnement. 40.02, la proposition est faite d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement 71. L'objet de ce règlement vise à ajouter des arrêts obligatoires sur l'avenue Thérèse-Lavoireau à l'intersection de l'avenue Champagneur prévue à l'annexe A1 du règlement relatif à la circulation et au stationnement. Je propose. J'appuie. Mme Patro. Je suis pour. Et Mme Bollac. Pour. Et je suis pour. Avis de motion à 40.03. 40.03. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur les avenues Joyce, Durocher, de l'Épée et Kerb, entre les avenues Lajoie et Van Horn, prévues à l'annexe H, du règlement relatif à la circulation et au stationnement. 40.04, la proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et stationnement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur les avenues Joyce, du Rocher, de l'Épée et Kerb, entre les avenues Lajoie et Van Horn, prévues à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et stationnement. Je propose. J'appuie. Mme Patro. Pour. Mme pour. Et je pour. Avis de motion, donc on est rendu au 40.05. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur l'avenue Stuart prévues à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement. 40.06, la proposition est faite d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et stationnement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur l'avenue Stuart prévues à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement. Je propose. J'appuie. Mme Patro. Pour. Et Mme Bollac. Pour. Et je suis pour. Avis de motion, donc 40.07. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement est utilisé. Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur le côté nord de l'avenue Lajoie, en comprise entre les avenues Outremont et Stuart, prévues à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement.
40.08. La proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et stationnement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur le côté nord de l'avenue Lajoie, comprises entre les avenues Outremont et Stuart, prévues à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement. Propose. J'appuie. Madame Patrou. J'aurais une question oui. concernant ce dossier-là. Il a été mentionné un peu plus tôt dans le, lors du conseil que Vélo-Québec avait remis un rapport pour des... rue désignée, vous avez des voies désignées en vélo. Est-ce que cette, cette section fait partie des voies désignées dans le projet d'Hydro-Québec, de Vélo-Québec? Et parce que les citoyens attendent une amélioration dans cette zone du quartier, donc je voudrais savoir ce qu'il en est, s'il vous plaît. Bien sûr, donc une bonne question. Effectivement, donc nous travaillons effectivement avec Vélo-Québec et avec ce plan directeur. Donc nous allons avoir des solutions plus permanentes. Donc pour l'instant, on a encore la solution temporaire pour cette section de la Vétune Lajoie. En espérant que ce soit la dernière année. Donc je demande le vote, Madame Patrou. Pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. Donc, encore un avis de motion 40-09, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur l'avenue Vincent-Dédie prévue à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement. 40.10. La proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et stationnement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur l'avenue Vincent-Dindy, prévues à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et stationnement. Propose. J'appuie. Madame Patrou, pour le vote. Pour. Et Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. Pour 40.11. Conformément à l'article 356 de la loi sur cité et ville, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé règlement intérieur du conseil d'arrondissement d'Outremont sur la délégation des pouvoirs à certains fonctionnaires sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement est d'ajouter le poste de directeur, directrice à l'article 1 du règlement intérieur du conseil d'arrondissement d'Outremont sur la délégation des pouvoirs à certains fonctionnaires. 40.12. La proposition est à l'effet d'adopter un projet de règlement modifiant le règlement intérieur du conseil d'arrondissement d'Outremont sur la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires. AO 460. L'objet de ce règlement est d'ajouter le poste de directeur-directrice à l'article 1 du règlement intérieur du conseil d'arrondissement d'Outremont sur la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires. Je propose. J'appuie. Madame Patrou, pour le vote. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. Donc, un avis de motion. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le maire Laurent Desbois donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement concernant la protection des arbres » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et il dépose le projet de règlement. L'objet vise à permettre, pour une période maximale de 4 mois, soit jusqu'au 31 août 2023, le dépôt d'un relevé photographique en soutien à une demande d'abattage d'un arbre en lieu et place d'une étude complétée par un expert en arboriculture. Mais déjà, c'est un libellé un peu différent que d'habitude. C'est vrai, je me nomme moi-même. Non, c'est bizarre. Peu... Qu'est-ce que vous voulez? D'habitude, c'est « je donne non, un okay, avis de motion d'accord. ». C'est pas grave. Ça va? Prochaine. Oh, c'est une petite coquille. D'accord. Je me sentais un peu... La résolution finale va ressembler à ça. Oui, d'accord. Mais j'avoue que je me sentais un peu royal. Là, un peu... 40.14. La proposition est à l'effet d'adopter un projet de règlement modifiant le règlement concernant la protection des arbres en 68. L'objet de ce règlement vise à permettre, pour une période maximale de 4 mois, soit jusqu'au 31 août 2023, le dépôt d'un relevé photographique en soutien de demande d'abattage d'un arbre en lieu et place d'une étude complétée par un expert en arboriculture. Je propose. J'appuie. Madame Patrou. Je suis pour. Et Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.15. La proposition est à l'effet d'adopter avec changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation et stationnement en 71. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur l'avenue Bloomfield entre les avenues Saint-Viateur et Lajoie, l'avenue Champagnard entre les avenues Bernard et Lajoie, l'avenue de l'Épée entre les avenues Bernard et Lajoie et l'avenue Édouard-Charles prévue en annexe H du règlement relatif à la circulation et stationnement. Je propose. J'appuie. Madame Patrou.
Je suis pour. Madame Barak. Pour. Je suis pour. 40.16, la proposition est à l'effet d'adopter avec changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur les avenues du Rocher et Kerb entre les avenues Saint-Viateur et La Joie, prévues à l'annexe H du règlement relatif à la circulation au stationnement. Je propose. J'appuie. Madame, pour le vote, Madame Patrou. Je suis pour. Madame Polak. Pour. Et je suis pour. 40.7, la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation au stationnement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement régissant le stationnement hors rue du centre communautaire intergénérationnel CCI, privé à l'annexe H du règlement sur la circulation et stationnement. Je propose. J'appuie. Donc, pour le vote, Mme Patrou. Je suis pour. Mme Polak. Et je suis pour. À ce stade-ci, Mme Desjardins, je dois dénoncer un conflit d'intérêts pour un des événements et je vais me retirer pour l'ensemble de ceux-ci pour faciliter la chose. Parfait. D'accord, merci. Donc, Donc, la proposition est à l'effet d'édicter les ordonnances pour les événements suivants et ce, conformément aux conditions et modalités inscrites au dossier décisionnel. Événement course moi mes souliers organisé par l'école Guy Drummond. Événement le show, fête de fin d'année de l'école Nouvelle-Kerb. Événement fête de fin d'année de l'école Guy Drummond. Événement Distinguished Gentleman's Ride. Événement piétonisation de l'avenue Bernard. Événement fête des voisins de l'avenue Saint-Germain. Événement parade Back Layton, fête de Shavuot, organisé par la congrégation Amour pour Israël. Événement apéro bénéfice de Castelier, événement célébration de la fête nationale organisée par l'organisme Vision Diversité et événement tournoi médiéval du Collège Stanislas. Je propose. J'appuie. Madame Patrou. Je suis pour. Madame Polak. Pour. Donc, c'est unanime. Oui. Merci, on peut continuer. Donc, 47.1, la proposition est à l'effet d'autoriser la demande d'occupation permanente du domaine public relativement à l'immeuble situé au 1142 avenue Vanhoorne, tel que décrit à la description technique préparée par l'arpenteur géomètre Claude Simard, minute 25-274, dossier 35-620, daté du 11 octobre 2022. Pardon. Je propose. J'appuie. Madame Polak, OK. Donc, je vais passer au vote, Madame Patrou. Pour. Madame Potvin. Moi, j'appuie. Ben, c'est Mme Polak qui a été enregistrée. Donc, Mais non, je viens de le dire. Vous... Ah, mais j'ai entendu Mme Polak, moi. Si on... Oui, mais vous pouvez, c'est votre tour de voter. Ben là, j'appuie. D'accord. Là, j'appuie. C'est votre façon. D'accord, excellent. Et je vote aussi, pour. Aussi, M. Maire. Donc, c'est une année. C'était pas fermé. Donc, 47.2. Ben, coup d'un. D'accord. c'était une soirée comme ça. Bon, donc, on est rendu 4702, c'est... Ouais. Donc, la proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble situé au 294 avenue Outremont la demande d'approbation de PIA avec les réserves suivantes. Réduire de 35 pouces la taille de la terrasse afin de l'aligner avec l'espace de rangement en briques. Aligner les poteaux du garde-corps avec les panneaux de treillis de la terrasse. Reproduire le garde-corps du balcon de l'étage, espacement des barotins, couleur, matérialité, détails comme garde-corps pour la terrasse. Centrer l'escalier avec la porte de gauche. Ajouter une imposte vitrée ou un meneau horizontal sur la porte-fenêtre à la hauteur de l'imposte de la porte existante. Proposer des cadres pour les nouvelles portes et fenêtres au rez-de-chaussée de couleur crème tels que les autres cadres se trouvant sur la même façade. Peindre les panneaux de bois fermant le dessous de la terrasse, les barotins et le garde-corps de couleur crème tels que le balcon à l'étage. Et la suggestion suivante, proposer une porte patio avec trois subdivisions, réduire la largeur à la largeur des deux fenêtres existantes. Nonobstant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil d'arrondissement accepte les recommandations du CSU avec les réserves et la suggestion proposée, sauf pour l'obligation d'exiger la couleur crème pour les cadres des nouvelles portes et fenêtres au rez-de-chaussée, ni pour les éléments de la nouvelle terrasse, panneaux de bois fermant le dessus de la terrasse, les barotins et le garde-corps. D'accord. Donc, je sais pas, question, commentaire, on passe au vote. Madame... Je propose. Madame Potvin. J'appuie. D'accord. OK, d'accord. Donc, Madame Polak. Pour. Et je suis pour. C'est unanime. Donc, je vais inviter Madame... est-ce que vous voulez inviter Madame Brand? Oui. Là,
Donc, Mme Brown revient et c'est à mon tour de quitter puisque j'ai déclaré un conflit aussi. Moi, je vais m'en aller aussi. Donc, je pense que Mme Brown devient mairesse suppléante. Oui, donc, ouais, présider. Merci. Alors, M. Desjardins, je vous demande de retirer le point 4703, s'il vous plaît. Donc, la proposition est de retirer le point. J'appuie. Donc, proposé par Caroline Brown, appuyé par Mindy Pollack. Donc, je vais demander le vote. Madame Patrou, est-ce que vous êtes pour ou contre? Pour le retrait, oui. Parfait. Et Madame Potvin, est-ce que vous êtes pour ou contre le retrait? Oui, je suis d'accord. Donc, c'est unanime, le point est retiré. Merci. Donc, nous passons au prochain point. J'allais vous dire que je dois me retirer, mais je sais pas. 47.4. Donc, la proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble situé au 41 avenue de la Brunante la demande d'approbation d'un PIA avec la réserve suivante. Le carrelage doit être de type faux croisillon avec intercalaire type SDL. Je propose. J'appuie. Madame Patrou. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 47.05, la proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble situé au 525 avenue Bloomfield la demande d'approbation de PIA avec les réserves suivantes. Peindre en blanc le bois au plafond de la loggia, si en état le permettant, conserver et restaurer les luminaires extérieurs de type 1 ou remplacer par un modèle de luminaire de meilleure qualité que le modèle de remplacement proposé, en lien avec les panneaux amovibles, afin d'améliorer leur durabilité, les cadres devront être métalliques, changer le polycarbonate pour des panneaux de verre transparent, ajouter des poignées discrètes mais solides du côté intérieur, facilitant le transport des panneaux, et démontrer la manutention des panneaux, indiquer le poids projeté des panneaux, s'assurer qu'ils sont déplaçables jusqu'au sous-sol et fournir un plan démontrant que l'espace est suffisant afin de pouvoir les entreposer. Les luminaires devront présenter un CRI de 90, une température de couleur 3000 K, avec la suggestion suivante. Éviter d'installer des encastrés dans le soffit du deuxième étage qui ne sont pas des luminaires s'agençant avec les luminaires existants. Privilégier des luminaires muraux similaires à ceux retrouvés au rez-de-chaussée type 2 ou ne pas installer de luminaires à cet endroit. Installer des équipements de chauffage infrarouge encastrés dans le plafond. Je propose. J'appuie. Donc, Madame. J'appuie. Et Madame Patrou. Ah, pardon, Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 47.6. La proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble situé au 790 avenue Rockland la demande d'approbation de PIA avec la réserve suivante. Proposer un modèle de fenêtre à guillotine, subdivision moitié-moitié ou à battant avec un meneau horizontal en surface du verre, subdivision moitié-moitié. Je propose. J'appuie. Madame Patrou. Pour. Et Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. Vous avez des motions maintenant. D'accord. Donc, ici, on présente une motion pour demander à Hydro-Québec de s'assurer que le système électrique est résilient à Outremont. Donc, est-ce que je dois lire la motion? C'est ça, hein? Oui. Habituellement, d'accord. On doit lire les attendus. Oui. Alors, je vais la lire. Attendu que la dernière tempête de verglas d'avril 2023 a causé une panne électrique complète dans l'arrondissement d'Outremont. Attendu que cette panne a duré pour la majorité des Outremontais plusieurs jours et a causé des pertes de nourriture et des pertes de chauffage, mettant en danger la sécurité des résidents de l'arrondissement. Attendu que des résidences pour personnes âgées ont manqué d'électricité pendant de trop nombreux jours. Attendu l'urgence d'avancer dans la transition écologique et la nécessité de diminuer les gaz à effet de serre. Attendu que plus il y aura d'émissions de GES, plus les événements météorologiques violents seront fréquents. Attendu que les systèmes de chauffage au mazout et au gaz représentent environ 33% des émissions de GES à Outremont. Il est impératif que le système électrique d'Hydro-Québec soit mis à niveau afin d'éviter le maintien ou l'installation de systèmes de chauffage au mazout ou au gaz naturel. Donc, je propose. J'appuie. Et donc, s'il y a des commentaires, questions, sinon on passe au vote. Monsieur le maire, la proposition est à l'effet de demander... Ah, excusez-moi, oui, je vais la lire. Je peux le lire pour vous. Vous pouvez la lire, OK. La proposition est à l'effet de demander à Hydro-Québec d'élaborer un plan d'enfouissement des lignes
électriques dans l'arrondissement d'Outremont et d'effectuer les travaux d'enfouissement là où cela est possible, de demander à Hydro-Québec d'élaborer un plan afin de sécuriser et de rendre le système électrique outremontain résilient au changement climatique. D'accord. Donc, on était au vote. Donc, proposé par vous, appuyé oui. par... Donc, Mme Potvin. J'appuie. Mme Patron. Pour. Et Mme Pollack. Pour. Le point 65.02 a été retiré lors de l'adoption de l'ordre du jour. 65.03, c'est une motion de Mme Pollack. Donc, attendu que les séances du conseil d'arrondissement d'Outremont sont des moments privilégiés pour les élus en termes de représentation de leurs citoyens et citoyennes, attendu que la transparence et la dialogue sont des valeurs importantes pour notre démocratie locale, attendu que les séances du conseil représentent l'instance durant laquelle les élus peuvent avoir des échanges en public, attendu que l'ordre du jour des séances du conseil de la Ville de Montréal inclut une période de questions pour les élus, je propose de modifier le règlement de régie interne du conseil d'arrondissement d'Outremont afin d'ajouter à l'ordre du jour des séances du conseil d'arrondissement une période de questions des élus. D'accord. J'appuie. Appuie, d'accord. Donc, tant pour les commentaires. Alors, ce que je dirais là-dessus, c'est que, effectivement, c'est au conseil municipal, il y a une période de questions pour les élus, mais dans les arrondissements, il y a 16 arrondissements sur les 19 qui n'ont pas de période de questions des élus. Je pense que la démocratie et la transparence est bien servie par deux éléments. Par l'ouverture des mots des élus au début de séance, qui peuvent exposer leurs enjeux, leurs questions. Lors des items, lorsque nous discutons, nous débattons des items et nous votons les items à l'ordre du jour, qui sont les décisions des règlements de contrôle, c'est l'instance suprême ici au Conseil de décider de ça et les élus ont tout le loisir de commenter, de poser des questions et donc il y a un échange qui se fait à ce moment-là. Donc je pense que la démocratie et la transparence est bien servie déjà, donc je ne vois pas la nécessité d'ajouter une période de questions pour les élus. Merci. Moi, j'aimerais prendre la parole. Merci, Monsieur Desbois, pour vos commentaires. Je comprends que vous êtes le président de l'Assemblée, alors vous avez la latitude de poser des questions, répondre comme vous le souhaitez. J'aimerais entendre les autres conseillères à ce niveau-là, de façon à savoir si elles aimeraient pouvoir poser des questions et avoir des réponses. Je répondrai la même chose aussi. C'est possible dans nos mots d'ouverture de poser des questions. C'est également possible avant chaque point à l'ordre du jour d'émettre des commentaires ou des questions. Alors moi, personnellement, j'avoue que je ne vois pas qu'est-ce que ça amènerait de plus. Madame Pollack. Un? OK. Alors, j'en profite. C'est ça que tu dis? Écoutez, vous avez raison qu'on a le droit de poser des questions lors des points à l'ordre du jour, mais c'est pas nos travaux sont pas juste restreints au vote qu'on prend au conseil. Des questions d'ordre plus général, les questions sur des visions, sur des politiques plus larges qu'on vote pas au conseil. À son lieu, je pense, au conseil, mais on ne le vote pas. Alors, comment poser ces questions? On peut le poser en courriel, on peut le poser sur les réseaux sociaux, mais je veux dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller là? Je trouve que c'est quand même... ça peut provoquer des discussions intéressantes. Je suis déçue que vous n'allez pas appuyer mon motion, mais... Voilà, c'est ce que j'ai à dire. C'est moi qui ai le droit de réplique, donc effectivement que j'ai utilisé. Dans le mot d'ouverture, vous avez l'opportunité de discuter des enjeux qui sont effectivement pas dans l'ordre du jour du conseil, puis sur les items d'ordre du jour.
vous avez toute la latitude, comme je disais, pour poser des questions et des commentaires. Donc voilà, c'était ma réplique. Donc on va passer au vote, si vous voulez bien. Donc c'est Madame Brown. Alors je suis contre. Et Madame Potvin. Je me suis interrogée, mais pour le moment, je ne suis pas en face. Juste un rappel qu'on ne commente plus. On ne commente plus. On vote. Je suis contre. Et je suis contre. Donc, la motion tombe. N'a pas obtenu les appuis nécessaires. Et nous sommes au dossier présenté sous affaires nouvelles avec la dernière motion, Monsieur le maire. Je n'ai pas devant moi. Est-ce que vous voulez que j'en fasse la lecture? D'accord. Bon. Vous avez une copie? Oui, je l'ai, pardon, je suis désolé. Donc, nous avons connu effectivement la tempête du verglas nous révèle à quel point nos arbres sont fragiles et nécessitent un entretien et c'est très coûteux. Alors, je propose cette motion. Attendu que la politique de l'arbre de Montréal, adoptée en 2005 par le conseil municipal, vise à accorder à l'arbre sa juste place au sein d'une collectivité préoccupée pour une urbanité montréalaise davantage verte, agréable à vivre et en meilleure santé. Attendu que le patrimoine arboricole d'Outremont, reconnu depuis longtemps et réputé, contribue à en faire l'un des arrondissements les plus convoités de l'île de Montréal et un véritable oasis de verdure. Attendu que l'arrondissement d'Outremont se caractérise aujourd'hui par une forêt urbaine abondante et reconnue, comprenant quelques 7300 arbres publics représentant 86 espèces, variétés et cultivars distincts en bordure de ses rues et dans ses parcs. Attendu que l'arrondissement d'Outremont est classé au deuxième rang parmi les 19 arrondissements montréalais avec un indice de canopée de 34% sur son territoire. Attendu que l'arrondissement investit des sommes considérables dans l'entretien de ses arbres, environ 500 000 $ par année provenant du budget régulier, supplémenté cette année par un budget de 127 000 $ pour des travaux cycliques préventifs comprenant les élagages de sécurité et les interventions prioritaires de dégagement par élagage. Attendu que, compte tenu de l'étendue de sa forêt urbaine, l'arrondissement manque de ressources pour assurer toute la gestion des travaux d'inventaire et d'entretien, incluant leur priorisation et l'évaluation des besoins en ressources financières futures pour notamment exécuter les travaux arboricoles requis. Attendu que les transferts centraux octroyés par la Ville de Montréal ne répondent pas aux besoins de l'arrondissement en matière d'entretien et de développement de sa canopée. Attendu qu'en ces temps de crise climatique, l'entretien des arbres fait partie des services essentiels de l'arrondissement. Attendu que les ravages irréparables causés par la canopée de l'arrondissement d'Outremont par la tempête du verglas du 5 avril 2023 ont mis en lumière les défis importants auxquels l'arrondissement fait face en lien avec l'entretien de sa canopée. Attendu que la canopée de l'arrondissement d'Outremont est l'extension du parc du Mont-Royal et que ce poumon vert profite à tous les Montréalais. Donc, je lui ai proposé par Laurent Desbois. J'appuie. Attendez, oui. J'appuie. Est-ce qu'il faut que voter avant que je donne le résolu? Je dois lire mon résolu. Donc, de demander à la Ville de Montréal d'octroyer une dotation annuelle additionnelle et récurrente pour permettre à l'arrondissement de mettre en œuvre les actions nécessaires pour assurer l'entretien optimal de son patrimoine d'arbres publics et ainsi promouvoir le développement de sa canopée, et ce, sans réduire les transferts existants déjà alloués pour l'entretien de son territoire. Donc, ça a été proposé. Et Mme Brown... J'appuie. Donc, j'ai proposé aussi, c'est-à-dire que oui, j'appuie. Donc, voilà, donc j'imagine que vous avez des commentaires ou questions. Oui, mon commentaire là-dessus, c'est quoi l'urgence ce soir au Conseil, étant donné que vous ne l'avez pas soumis en bonne et due forme avant la préparatoire, etc., dans le délai auquel on s'est entendu, là? C'est quoi l'urgence? Et Madame Patrou, avez-vous un commentaire? Donc, allez-y, puis je vais commenter tout à la fin. OK. Alors,
Je seconde la question de ma collègue. Et puis, je vous rappelle qu'en décembre dernier, pour la COP15, vous avez refusé une motion séance tenante qui était d'engager l'arrondissement d'Outremont envers l'importance de la biodiversité, juste parce que je l'avais déposé séance tenante. Et donc, on l'a voté exactement pareil un mois et demi plus tard, après la COP15. Et donc, là, c'était... et vous m'avez fait toute une lecture moraliste de pourquoi ne pas déposer une motion séance tenante. Ceci dit, dans les attendus de la motion que vous nous proposez ce soir, j'ai quelques questions. Notamment, vous parlez que des besoins de l'arrondissement en matière d'entretien et de développement de sa canopée. Donc, vous mentionnez que les transferts centraux ne répondent pas aux besoins. Donc, est-ce que c'est possible d'identifier quels sont ces besoins et le delta, en fait, par rapport à l'actuel et ce qu'on souhaite? Et puis, mon autre question est, quelles sont les autres options financières que vous avez regardées? Il y a de l'espace fiscal, par exemple, à l'arrondissement. Est-ce que vous avez envisagé cet aspect-là ou vous avez envisagé d'autres moyens financiers au sein de l'arrondissement pour cela et qui font en sorte qu'aujourd'hui, vous nous présentez cette motion ce soir? Merci. Donc, je vais commencer à répondre par la question d'autres options. Donc, notre dotation, elle augmente à 1 ou 2% par année lorsque l'inflation a été à 6 ou 7%. Donc, il est clair que nous allons arriver face à un mur, vu l'augmentation des coûts de main-d'œuvre, d'octroi de contrats, etc. Donc, ces mathématiques-là, on ne peut pas survivre avec la dotation que nous avons. Il va falloir faire des choix extrêmement douloureux à Outremont si on n'a pas une augmentation du budget et en particulier le budget pour l'entretien de la canopée qui nous coûte presque 4% de notre budget. C'est quand même pas rien. C'est 3,6%, je pense, j'avais calculé autour de ça. Donc, on est toujours en train de revoir nos programmes. Nous allons faire l'exercice cet été pour le budget de l'année prochaine. Et il va voir. Je pense que s'il n'y a pas d'augmentation de la dotation cette année, nous allons faire face à des choix extrêmement difficiles. Et ces choix-là, on les fera au courant de l'été, quand on aura notre dotation qui sera connue à ce moment-là. Donc, pourquoi maintenant? Bien, écoutez, je pense que nous voulons avoir l'oreille de la ville de Montréal. Nous voulons être entendus. Et je pense que ce mois-ci a été le mois du verglas et des arbres tombés. Et donc, c'est important de porter cette motion et qu'elle soit entendue par la ville de Montréal pour qu'elle puisse répondre à nos besoins à ce moment-là. Donc, quelle question de pourquoi maintenant? Parce que je pense que j'ai répondu à la question là, donc c'est pour il faut qu'on soit entendu par la ville de Montréal, ça c'est assez clair. Maintenant, pourquoi le faire aujourd'hui plutôt qu'il y a une semaine? Et là, je pense que vous avez un point. Je pense que effectivement le parallèle avec la COP15, je pense qu'elle est correcte. Je veux dire, en toute fairness, comme on dit en anglais. Et écoutez, on apprend. Je pense que j'apprends à essayer d'être un bon maire et de bons conseillers, conseillères. Et je pense que lorsqu'il y a je pense qu'il y a une bonne pratique de suivre les motions une semaine d'avance pour qu'on puisse l'étudier, faire des amendements, discuter en préparatoire. Donc, je pense que c'est important et je pense que je suis content d'avoir ce règlement-là. Je pense que c'est important d'y suivre.
Mais s'il y a des exceptions, surtout des exceptions plus faciles. Là, j'y pense en regardant en arrière la COP 15. Je pense que c'est correct, c'est assez facile. Il n'y a pas de matière vraiment à débat. Donc ici, je pense aussi que c'est assez facile. Donc, mais nous allons grandir avec toute cette expérience. Voilà. Donc, on va arrêter là le débat. Je pense qu'on va passer au vote. Donc, nous avons appuyé. Donc, je vous demander. Vous avez proposé, c'est appuyé par Caroline Brown. Deux, donc, oui. J'appuie. Donc, vous êtes pour, Madame Potvin. Mm-hmm. Donc, je vais demander le vote. Donc, Madame Patrou. Pour. Et Madame Pollack. Pour. D'accord. Merci. Donc, est-ce que. C'est unanime. Ça termine notre soirée. Ça termine la soirée. Bon. Alors, merci tout le monde. Merci aux équipes. Merci à ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux et celles qui nous écoutent. Merci, Madame les conseillères. Et nous vous voyons au début juin pour le prochain conseil. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde.